Hey yo! C'est Yachel, comment ça va? Les 3 ans! Merde, je suis tombé. Les 3 ans. Merci beaucoup, Lightning. Autant il sait bondir 2. Comment ça, 3 ans? 39 mois, ça fait pas 3 ans, hein. Et 23 non plus, hein. Il est deux mélangés, ça fait toujours pas 3 ans non plus, tu vois. Merci beaucoup. Après, si tu comptes que chaque année t'as un 13e mois, si tu parles de ton salaire, ça fait 3 ans. C'est bon. Bon, bah ici en tout cas, putain, ici on a toujours pas de toast. Je sais plus. Ah, mais je pense en fait là ça tire un petit peu parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie d'ailleurs, je sais pas. Mais... peut-être nuit, tu me diras. Je vais aller voir. Enfin, en fait, là, je sais pourquoi on n'a pas d'énergie parce que je viens de recharger mon armure entièrement. Donc, ça a sucé les EU comme Jaja. Mais ouais. Mais là, c'est au moment du paiement qu'il faut le mettre. Attendez, qu'est-ce qu'il me raconte? Attendez, faut que je vérifie un truc. Avec Mister Gouche. Voilà. Je vérifie un truc par rapport à Assassin's Creed. 39, 36, 3 ans et 3 mois si tu préfères. Hey. Bon. Bon, bonne nouvelle. L'iridium commence à être tonks. On a quasiment 600 là. Donc déjà on va récupérer tous les panneaux solaires ici pour en faire un gros. Et en vrai on va en faire plein de petits. On va faire ça. Déjà. Voilà! Donc, déjà, normalement, je peux demander un Quantum. Sachant qu'on a déjà des Nether Stars en Ra. Ah putain, c'est vrai qu'il faut lire. Mais comment ça, il faut autant d'Irradiante? Ou d'Iridiante? Ou de trucs là, je sais pas trop quoi. Pour faire un fucking craft. Hein. J'en avais refaire plein la dernière fois là quand j'avais record. Je me suis dit, bon, peut-être en falloir quelques-uns. Bah, ça, c'est bon, vas-y, c'est qui part. Je vais recharger ma ranch. Je passe pas couiller si jamais j'en ai besoin. Pour le fait, hein. Pour le fait, pour le fait. Hein. Essaye en coupon. Attendez. J'ai des trucs pour la boutique. Alors. En effet, c'est un coupon qu'il faut le mettre. Hein. Voilà. Et ouais, comment tu vas? Ça va nickel, écoute. Hein. Ça va nickel. Hein. Bon, bah, ça c'est. Aïe! Ouf. Ça c'est bon. Des Barsoon. Non, ça Barsoon. Hein. Ouais, je faisais un petit hunt tout à l'heure sur WoW pour me remémorer un petit peu le début. C'est en fait, genre, juste essayer d'optimiser un tout petit peu leur lit, genre juste les premiers niveaux parce que ça va être le zoo un petit peu avec tout le monde. Hein. Et putain, niveau 6, j'ai déjà 3 sacs quoi. Et l'enfer, full chat sur les drops. Full chat sur les drops. Hein. Évidemment, le jour J, j'aurai que dalle. Hein. J'aurai que dalle. Hein. Je m'étais entraîné aussi pour faire des skips hein, pour passer des palins. À forge fer sans passer par tous les mobs à chiant, etc. Donc, il est craft lui ou pas? Il faut 3... Ah oui, non, il faut 200 plates. Hein. Ah, il est pas craft, non. Et niveau électrotine, je vais aller voir. Attends, on sait, ça donne quoi les panneaux solaires dehors là? Mais il m'en manque pour en faire un gros. Parce qu'en vrai, celui-là, on sera pas. Ah, bah ok, oui, ok.
En fait, il en manque. Il fait voir un advance. Il faut combien pour un advance? Il faut 12 000 électrotides. C'est tout. Ok. Bah, vas-y, hein. Vas-y, vas-y, hein. Voilà. Bon, il y a quelques trucs à crafter. Du genre 34 000 vitres. Hein. Mais sinon, ça va. Sinon, c'est tranquille. Et les pépins. Et d'ailleurs, et la query, elle est quasiment terminée aussi. On est à 1 million de blocs. Et elle est en 1990-1825. Hein. Enfin, 1825, c'est là. Il reste pas tant de couches que ça. Hein. Ma query, elle est posée ici. Sachant qu'elle a commencé. Donc, elle est posée genre là. Nous, on est là. Elle a commencé là-haut. En fait, elle a déjà fait tout ça, la query. Il reste juste cette petite portion ici. Donc, je pense que semaine pro, on la décale. Dimanche, je pense pas. Lundi, faut voir si elle a fini lundi ou pas. Faut voir. Après, la prochaine limite, est-ce que je mets pas un Fortune 3? On a encore un peu ric-rac niveau énergie. En fait, ça va dépendre de qu'est-ce que va donner le réacteur qu'on va essayer de faire là. Ça va dépendre de ça. Parce que. Ouah, après Fortune 2, ça fait déjà l'affaire en vrai. Je suis sur une grande zone, au moins je suis tranquille quoi. Je suis tranquille, je suis tranquille. Pour le fait, hein. Il y a des trucs là-dedans? Non. Alors. C'en est où mon panneau solaire là? Putain, il est toujours pas fini hein? Terrible. Hein. Terrible, terrible. Hein. Il faut voir niveau énergie là pour l'instant. Normalement, on est bon. Hein. Ah, quoi que c'est encore un peu de mal. Hein. Bah, ouais, parce que je tire sur les machines. Hein. Parce que j'hésitais à relancer le réacteur en dessous. Enfin, le réacteur, le spawner. Ah, bon. Bon, bon, bon. Bon! Je sais pas quelle taille on va le faire ce premier réacteur là. En fait, je sais plus quelle taille j'avais dit que j'allais faire mes réacteurs dans la salle. Mais je pense pas en faire un taille max directement, ça va me pomper toutes mes ressources. Après, niveau Yellorium, on est bien. Hein. On est 58 000. Hein. Et d'ailleurs, attends, je suis capé à combien là-dessus? J'ai 6546 blocs. Ok, on est très loin, très loin, très loin d'être à fond. Sinon pour le début je peux toujours faire un plus petit réacteur qui sera de toute façon quoi qu'il arrive dans l'espace ou plus tard j'aurai mon gros réacteur et puis basta hein. En vrai je devrais presque déjà creuser les emplacements des réacteurs et en attendant temporairement j'installe un petit dedans quoi. Je pense qu'il faudrait faire ça. Faudrait faire ça. Mais je sais plus si je crois que j'avais dit attends. Parce que si je casse ça. Oh. Ça fait combien de hauteur là? Qui je voulais lui? Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wouah, 13 de haut c'est fine hein. 13 de haut c'est JF fine. Et en vrai, en largeur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Après, je laisse combien? J'avais dit 3 peut-être? Si je laisse 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, il y a une couille dans la matrice. Là. En termes de largeur de salle. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comment j'ai géré la distance de la salle? Je fais quelle taille ma salle? 6, 7, 8. Attends, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, Daniel, 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 26, 27, 28, 29, 30. Mais pourquoi elle fait un nombre pair? Ah putain, parce qu'il y a les murs du fond. Et ici, j'ai pas fait les murs. Ok, ok, oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est qu'ici, en fait, c'est creusé pour les murs. Ouais, bah c'est ça en vrai, ça va faire 11 de large quoi. 11 par 13, du coup. Un peu bizarre, mais. Ah, mais non, parce qu'attends, le sol est déjà creusé aussi. Et le plafond est déjà creusé aussi, je crois. Je sais plus si j'ai creusé tout le plafond ou pas. Wait. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'en fait. Non, c'est plus là-dessus. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça.
Ah, c'est la bonne hauteur en vrai, comme ça. Ok. Bon, bah, du coup, faut que je rebouche ça aussi. Même si c'est à titre informatif de où c'était, mais bon, tant pis. En vrai, il suffit de regarder la cobble pour savoir où c'était, où c'est faut croiser quoi. Donc, attends, là ça fait 6, 9, 11. Ok. Bon, on va commencer par le haut en vrai. Ça sera mieux. On est en bordure. Nice. Ah oui, tiens, mais attends, mais non, attends, mais le plafond, ça faut pas niquer ça. Au secours. Et là, attends, du coup, ça ferait combien? Ça ferait 11 de profondeur. Et oui. Et oui. Oui, torche. Ouais, déjà. Bien. Voilà. D'ailleurs, du coup, semaine prochaine. C'est quand que ça commence la cité de Sif? Je crois que c'est lundi. Je crois que c'est le 21. Mais la semaine prochaine, ça va être un peu YOLO, limite, niveau planning, je pense. Parce qu'en vrai, il y a le hardcore sur WoW qui sort... En fait, le hardcore sur WoW, je sais pas s'il sort jeudi soir ou jeudi matin. Parce que c'est écrit le 24. Alors, est-ce que c'est le 24 à minuit? Pour le matin? Parce que c'est 24 à 23h59, tu vois. Donc, vu que c'est jamais bien clair les horaires de sortie, tu le sais à chaque fois que le jour même... Saurait trop dire. Mais si ça sort vendredi matin, enfin entre la nuit de jeudi et vendredi, je pense que jeudi dans la journée je liverai du coup. Et limite vendredi on aura pas, ou alors ça sera un live WoW peut-être en mode chillax, un peu de bas les couilles. Je sais pas, on verra, je vous tiendrai au jeu. Je vais pas faire que du WoW, de toute façon je pense que pour le début je ferai peut-être un petit live ou deux. Hein. Comme ça, ils sont tapotés pendant le début du pexing, quoi. De toute façon, samedi, on retournera sur Season Sky. Mercredi aussi. Lundi, on fait du modé. Jeudi, on va sûrement faire du modé, du coup. Ouais, Season Sky, je suis bien. Là, j'ai déjà. Je crois que j'ai 3 millions de thunes, un truc comme ça. J'ai 3 millions de thunes. Hein. On a la blinde de poisson là, en vrai, il va falloir que je monte mon métier de pêcheur. Parce que, vu qu'en fait, on a mis deux familles de saumon tant qu'à faire. Comme ça, moi, on a la blinde de poiscaille à faire cuire. Hein. Donc, ouais. Et il manque encore énormément de ressources à farm. Faut que je fasse aussi des champs de carottes. À carottes, on le fera mercredi le champ, je pense. Ça. Mercredi, non, mais je suis con, attends, on est quel jour? On est vendredi? Non, mais on le fait demain, du coup. C'est hein. Alors attends, j'ai problème de place là. Faut que je vire cette armure, elle me sert à rien là. Oh putain, attends, si, elle me sert à me faire penser qu'il faut que je remette des rods. Hein. Le con. Ça me fait penser ça. Parce que j'en ai la blinde de crafter de rods. Hein. On est genre 1600 mètres. Je les ai pas mis dans mes réacteurs. Je les ai pas mis dans. Hop. Voilà. Alors. Ah, parce que bon. Si je veux faire des gros réacteurs, il va me falloir un blinde de polonium. Plutonium, je sais jamais. Voilà. Et en vrai, du coup, on peut prendre ça. Et comme ça, tout ça, on va les mettre à 10 plites. Hein. Perfect. Hein. Je vais déjà mettre celle-là. Et je vais rajouter celle-ci. Bon, bon, et ça, c'est good. Bon, le temps que ça monte en chaleur, il y en a pour un petit moment, mais... Ah, c'est plutonium. Hein. Ah, plutonium, on en a 3400 et quelques. Je sais pas quelle taille je fais le réacteur aujourd'hui. T'es né de boy, comment ça va? T'as l'ancienne? Ah, bah là, c'est l'ancienne de chez l'ancienne. Là, c'est du... c'est le petit modé 1.7. Hein. En fait, est-ce que je fais 5 par 5 inter dans mon réacteur? Si tu veux dire qu'il me faudrait 45 rods. Hein. Pour combien si j'en veux 45 de ça? 1100. Ah ouais, j'ai de la marge en vrai. Donc si je veux monter un petit peu plus,
genre à 9 de haut, peut-être pour l'instant, faire un truc un peu plus haut que large. Why not, hein. Ou alors je fais 7 par 7 pour l'instant. 7 par 7 c'est déjà un peu plus touchy quand même. Je sais pas tous les combien je mettrais des rods. Est-ce que je suis vraiment en damier? Est-ce que je suis genre 1 sur 2? 1 sur 2 c'est pas le plus opti, hein. C'est pas le plus opti, mais bon. Parce qu'en damier, il y a la peau des fesses. Hein. Bon, après, ça va, on a encore quelques rods qui vont sortir du pit là, mais. Ouais. Oh, ouais. Je sais pas, attends si Big Reactor. Setup. Il y avait un site sur lequel tu pouvais setup comme tu voulais ton truc. Faudrait que je le retrouve. Alors attends, parce que faire les différents patterns. Après, le plus optimal par exemple c'est les 4 corners sur ce setup là avec 21 rods. Ouais mais je pense que là ça consomme giga vite en fait. Oh le bordel. Le bordel des designs. Il faut quelle taille ces réacteurs? 30 par 30 par 46. Ouais bah non. J'aurais pas été avec des craft custom. Pourquoi pas. Là ça pue un peu sa mère. Attends, Minecraft. Reactor Simulator, c'est ça que je voulais. Big Reactor Simulator, putain, mais vraiment, et le site existe encore en fait. BRC.org. Alors, je veux du gilet de Critérium. En hauteur, on a dit combien? Reactor must have at least one control rod. Team course, l'autre là. Bah oui, il faut qu'il en ait des control rods, mais le shit Sherlock. Il marche cette merde. New Reactor. Bah voilà. Donc on a dit dimension define the interior du reactor. Ah ok. On veut du 7 par 7 par 7 à l'intérieur. On va le créer. On veut du cryo. Ouais. Non, vous voyez pas ce que je fais. Vous n'en faites pas. C'est normal. Je vais juste voir si la technique d'Amiel elle est efficace ou elle pue du cul. Donc là en damier je suis à 0,85 millibucket par tick. Après ça c'est avec les rods à fond. Je produis 40 000 RF par tick aussi. Je suis à 1 lingot par minute. C'est fine en vrai, un lingot par minute. En fait, je suis un lingot par minute, mais. Oui. Faudrait que je vois si je peux pas. Pour mettre plus de cryo sur les compteurs. Là, je perds un peu. Là, je passe de 40 000 à 34 000 RF par tick. Mais. Je passe de 1 lingot par minute à 0,5. Je suis à 66 000 RF en fait par mini bucket quoi. Alors qu'avant j'étais à beaucoup moins. Si je mets des rods comme ça à la place. Mais faut le cryo à l'intérieur. Ouais non c'est de la merde là. Les patterns qui parlaient, ouais, soit tu mets un truc plein. Ah, mais si je mets du plein, ça a pu. Non, un plein, ça a absolument aucun intérêt.
Après, si je mets ça comme ça. Ah, ce pattern est moins intéressant que l'autre. Ouais, le truc le plus passionnant pour vous, j'en suis désolé pour l'instant. Mais c'est pour la bonne cause. Là, on a 56 000. 62 000. 67 000 RF par tick pour l'instant. Je vais voir si je mets une rote dans les coins. Ouais, non, ça dit tout. Oh putain, ça a l'air horrible. Non, bah y'a un monde en vrai où j'ai juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. J'en ai 5, 5, j'en ai 12. 12 x 7. 12 x 7, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça commence à faire beaucoup 12 x 7 quand même, dis donc. En termes de rod. Hmm. Parce qu'avant on était sur du 45. On est sur un peu plus du double. Bon, ça piquait. Un peu moins du double, pas un peu plus. Comment ça, Xaïna? Ah, tu. Non, ça me plaît bien, ouais, ce petit design que j'ai. Je vais juste pas m'amuser, par contre, à mettre le cryo. Quoique, si, j'ai tout le temps un bloc de support pour le mettre en vrai. Donc, si, si, c'est bon. En fait, le cryo TM, qui est liquide de refroidissement, que je vais mettre. Bon, j'ai pas oublié le ghost block. Qui est liquide de refroidissement en fait que je mets dans mon réacteur. C'est un liquide que quand tu le poses, bon déjà il te fout de la merde partout parce qu'il te fout de la neige. Ça c'est le premier problème. Le deuxième c'est que c'est un liquide en fait qui est j'allais dire soumis à la gravité, mais ça comme tous les liquides. Enfin, il y en a que non. En fait il tombe, en fait la source tombe. C'est à dire que si jamais t'es en haut du réacteur, tu mets ton liquide en haut du réacteur. Bon, la source va en fait tomber tout en bas. Donc, en fait faut à 10 de hauteur, bah faut mettre 10 sources. Tu peux les mettre tout en haut avant de tomber une par une, mais c'est un peu chiant quoi. Par contre, il va me falloir du coup la blinde de cryo. Ouais. Bon, après, si j'automatise les buckets de cryo TM, ça me ferait crafter énormément de buckets, mais. Je fais des écoutes et toi. Bon, ça va tranquillou. Un peu chaud, mais. Enfin, là encore, ça va, il fait bon, mais. Où ce bloc? Ah, il y avait un bloc qui buguait et il bug plus. Très bien. Mais cet après-midi, il va faire chaud. Il va faire lourd. Quoi. Alors. Bah, des petites torches quand même pour éviter que ça spawn partout. Même si tu me diras, je crois qu'on est dans les Junkass Line, donc ça va pas être très fun. Hein. Où c'est mitigé. Mais en fait, il fait pas beau. Enfin, il fait pas beau. Le couvert. Mais. Il est lourd, quoi. Pourquoi ça met orage épars aujourd'hui? Pourquoi ça met orage tout court? On est pas censé avoir de la flotte, là. Attends. Oh, les radars. Ah, ouais, t'es censé rien avoir. Il y a full orage qui arrive. Oh là. Ouais, bah, nique, hein. Ah mais ils vont passer au-dessus. Bon bah je suis content d'avoir créé un gros truc comme ça pour y mettre un petit réacteur de mort dedans. Bah en vrai petit réacteur de mort, il va faire du 9x9. Donc Eh, laisse-moi sortir. Alors les rods. Bon déjà on va vider l'inventaire. Donc les rods, on a dit 84 hein. 12 x 7, 84, on est d'accord jusque là. Et même chez moi il n'y avait rien et là Windows fait des fortes pluies. Ouais je sais pas, c'est bizarre. Et c'est Ariken, comment ça va? Piripipipipouette. Comment ça 4373 plates? Bon ça m'en ref. Pas un autre moyen de faire des plates. En vrai, ça serait pas cher ça. Mais... Non, en vrai, il faudrait que je fasse le moule là. Attends, mais du coup, j'ai plus de plate pour faire le moule en fait. Voilà, non.
Ah ouais. Bah ouais, bah ouais. Parce qu'en vrai, tu pourrais donner un petit coup de main comme ça à la rigueur, mais. Ah, mais attends, je peux faire des pets là-dedans en fait. Hihi. Faut juste pas que je demande de gear, sinon ça va moins bien marcher. Le temps de. Ah putain, mais attends, mais c'est vrai qu'en fait j'ai plus de coffre ici, moi. Ouais, FF, hein. On va les crafter à la main. En fait, il me faudrait d'autres metal press limite dans la salle pour faire des petites plates en plus, comme ça, quand j'en ai besoin. Mais vu que j'ai la blinde de trucs. Par contre, il va me falloir la blinde de hammer. Bon, ça, il va me falloir plein. Ça serait du bois traité, ça. Hein. Oh, ouais. J'ai oublié que ça existait le bois traité, moi. Le jeu il kiffe pas. Hein. Oh non. Non, arrête. Hein. ouais, ça fait combien ça, ce que j'ai fait là? Ça fait 500 plates en plus. Je sais plus si ça a marché cette histoire de mettre le tank. On a quoi comme tank? Portable. Hein. Qui garde son contenu. En vrai, à part ça, on a rien. Enfin, pas celui-là, mais à part celui-là, on a rien. Oh, toi, toi. Je vais faire un test en fait d'aller remplir mon tank ancré au SOT et de voir si je peux pas crafter directement dans un plaid avec. Il y a un monde où ça marche. Et du coup, tu as même mis sur le dernier skyblock de ATM et tu fermes Palia aussi. C'est vrai que j'ai pas lancé Palia. En fait, le problème, c'est que c'est sorti pile quand je me remettais à WoW et tout ça. Donc, pas trop le bon timing là. Pas trop le bon timing. Je suis con en fait, j'aurais pu prendre directement ce truc. Attends, on va directement tester avec ce bucket, on va voir si ça marche. Avec ce tank. Alors est-ce que si je mets des planks avec ça, ça fonctionne? Absolument pas mon ref. Ouais, et puis avec 3 buckets on a pas fini. Hein. Un peu con que ça marche pas ça. En fait t'as des versions ça marche. Comme bah du coup t'as des versions ça marche pas. Ah ça tank en mode bucket, je sais pas si ça changerait grand chose. Mais c'était pas avec ces tanks là moi que je le faisais donc Non mais déjà deux stacks de sticks ça va me faire quelques hammers. Devrait être bien quoi. Devrait être bien. Voilà. Mais bon, en ce moment en vrai là sur Minecraft surtout ce que j'ai hâte c'est c'est de Vault Hunter quoi. Surtout ça que j'ai hâte là. Que ça sorte hein. Aller farmer ça à fond. Ça marche dans ce sens là? Ouais. Bon avec ça je devrais faire quelques plates non? Avec ça on va faire quelques shift clics, le serveur il a pas kiffé. Donc là je suis full inventaire en théorie. On va attendre. Il y a un monde où ça finit sur Season Sky hein. Oui. Ah, nice! Alors, c'est combien là? Voilà, on attend. Et ça, c'est le problème. Oh merde! Il y a déjà plus de marteau? Bon, on aura des cheers.
Après, on a 2000 et quelques plates en rab. Il fait déjà si je cancel ça et que niveau rod, hein, leur demande 73 en 63. Et là, ça devrait crafter beaucoup plus rapidement. Voilà. Il n'y en a plus que 800 à faire en fait, donc alors qu'il en reste 3000 et quelques. En vrai, le temps de. On va aller voir les bébés. Ah putain, j'ai mes panneaux solaires à les poser aussi. J'ai mes panneaux solaires, ils ont dû finir. Solar panel. Hein. J'ai un gros et un autre gros. Et niveau iridium, il reste quoi? 393. Sachant qu'il me faut un stack par panneau solaire. 128, 128, 128. Je peux demander 6 panneaux solaires en ultimate. Je pense pas avoir assez d'uranium par contre. J'ai plus de carbon plate. Oulala là. Bon, quel monde c'est pas autocrafté ça? Bon, quel monde y en a plus? Donc, EU, Onks. RF, Onks. 4096 RF en plus là. Il y a à faire du bien pour notre stockage. Par contre, ouais, Carbon Plate, c'est pour clair cette histoire. Attends, Carbon Plate, ça se fait où? Ça se fait quand? Ça se fait comment ça? Carbon Plate, l'assemblage du truc. C'est au compresseur. Et tu vas me dire qu'au compresseur, j'ai pas ça. Il y a mon putain de compresseur. Ouais. Oh. Attends. Ah non, j'avais pas les Carbon Plate. Oh ouais. Mais j'aime pas le carbone. En fait, j'ai rien du charbon. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. On va en prendre une. Du coup, je veux dire. Un comme ça. Ça fait un comme ça. Et donc, ça, on va se mettre ça dans le compresseur. Et le reste, on va mettre dans les petits moléculaires rassembleurs tranquille. Hein, voilà! Donc là par contre si je demande 6 ultimates, bon, en fait depuis le début c'est juste que j'avais assez de carbon plate en rab en... pour tout gérer quoi. Il faut avoir niveau uranium. Ah niveau uranium faut que j'en balance. Faut que j'en balance, là j'ai déjà épuisé tout mon stack quoi. Et Gopalia si c'est cassé. C'est longtemps que j'ai pas lancé le jeu moi comme dire. Quasiment pas... bon, en fait j'ai pas lancé depuis le dernier live quoi. Dessus. Parce qu'en ce moment j'étais bah, sur Sea and Sky, sur WoW, tout ça donc y a déjà pas mal de choses à farmer. Ok, ça c'est bon. Il reste combien d'uranium du coup? 9. 9. Ah oui, parce qu'il faut de l'uranium aussi pour faire les trucs de base. Les panneaux solaires, oui. On avait pile poil pour 6 du coup. Parfait. Par contre, je pense qu'il va être en stand-by tant qu'il aura pas accès aux plates. Il doit avoir des plates à faire. Ouais, oui, il a plein de plates quand même. Ok, ok. Tu vois niveau énergie du coup? Moins 15 000 hein. Oh là. Comment ça? La nuit est tombée? La nuit est tombée, ok. Ah parce que le jour j'ai 20 000 en RF de prod donc et la nuit bah c'est pas la même chose hein. C'est pas la même chose hein. La nuit j'ai rien en fait avec ces panneaux solaires là, ils produisent pas la nuit. Chiant. Ils produisent pas. Alors, résiliente, robuste, ça c'est chiant, résiliente, ça c'est bien, résiliente, ça c'est... Oh non putain, il est résiliente, robuste en fait, elle aussi. Ah j'ai que celle-là en fait qui est résiliente. Et les autres sont hybrides quoi. Pas dégoût hein. En fait c'est chiant parce qu'il faut que je la stappe celle-là, parce que là c'est vraiment celle qui manque pour faire toute la suite. Hein. C'est, elle est vraiment en plein milieu de tous les autres croisements et tant que je l'ai pas, je peux pas avancer. Un peu relou cette histoire. Hein. De relou. Est-ce que les blocs de charbon c'est une bonne chose à donner? Je crois pas. Hein. Donner du charbon normal. Hein. En fait, le problème du bloc de charbon c'est qu'il a un burn prime. Il... Oh merde. Oh shit. Le problème du charbon c'est qu'il a un burn time trop élevé. Ce qui fait que du coup il va dépop avant de se faire absorber. Ouais, il tombe. En fait, avec une semaine que le jeu est passé en bêta ouverte, il était en close bêta pendant une semaine, donc t'as pas loupé grand chose. Hein. Bah, j'ai loupé 2 semaines du coup, parce que moi j'avais la close bêta. Puis là, la semaine pro, il y a World Core qui sort. Dans 3 semaines, c'est Vault Hunter. Ouais, c'est dead, hein. C'est dead, hein. Ça produit. Est-ce que je commencerai pas à faire du terracine un petit peu en attendant là?
Et on va en faire deux. De 1 et 2. En fait, j'en fais déjà un petit peu dans le stock parce que, comme ça, mes mana pools sont jamais full. Hein. Bon, après, le but c'est pas non plus de les vider. Mais j'en aurai besoin de beaucoup de terra steel par la suite. Il va falloir pour le Awakened Core. Il va falloir un entier pour l'Elven Gateway Core. Les mana pylônes, j'en parle même pas. Il en faut deux par nature à pylône. Donc, il m'en faut 5 déjà, rien que pour faire le portail de ses morts. En plus, faut que j'aille crafter ça. Faut que j'aille faire du witchery. Oh, il est taf. Hein. Et faut que j'aille faire du blood magique. Tier 3, qui plus est. Bah oui. Bah, tier 3, après, c'est accessible encore. Ça va être long, mais c'est accessible. Il y a eu taf sur la magie hein, pour débloquer le portail alphékin. Oh. Et... ça en est où, mes rods là? Oh, c'est fini tout. Let's go. Du coup, les casings, en faut combien? Trop. Trop. Ouais, fais voir parce qu'en fait, cette histoire de full coulante avec full rod. Attends. Alors, si je mets full rod. Merde, j'ai tout bloqué. Mais là, il n'y a aucun monde, c'est plus efficace. En fait, mais c'est trop gros le réacteur du coin. Non, c'est de la merde. Par contre, si je fais ça. Genre une rod là, une rod là, une rod là, une rod là. Du bien, mais ça consomme trop cette histoire. Ah, cette porte là nique tout. C'est pas clair, hein? C'est pas clair. Attends, mais je suis sur un stade encore plus efficace là. En fait, moins tu mets de rod, plus c'est efficace. Ok. Si je mets genre une rod au milieu, ah mais une rod au milieu c'est pas efficace. Bon, ça mon ref. je fais mumuse hein, sans faites pas. Je fais mumuse avec mon réacteur là, vite off. Là, je suis qu'à 22 000. Bon, je suis passé de 22 000 à 90. Piche pas tout. Et là, cette rod me fucked up tout. En vrai, j'ai un design, je suis à 29 000. Mais là, en fait, je suis à 1 000 lingots par minute et je suis à 30 000 RF par tick. Mais du coup, si je complète mon damier comme je le voulais. Alors attendez, donc là, on a dit. Donc 30 000 RF par tick et 0,5 lingots minute. Hein. Et surtout le 30 000 RF par tick qui est intéressant. Par contre, je fais ça. Ça produit plus, je suis moins efficace. En vrai, 30 000 RF par tick au début, c'est déjà largement suffisant. 0,5 lingots minute, c'est bien. Là, je suis même encore mieux en fait, comme ça que si je mets la rote de merde au milieu. En quoi que, c'est kiff. Non, 0,5 lingots minute, c'est pile ce qu'il faut. Mais du coup, en fait, j'ai trop de fuel rod. Trop de rod. Tant pis. Bon, c'est pas grave, ça servira pour les autres acteurs, mais. Et j'ai encore toujours un bloc de support pour mettre mon cryo, quoi qu'il arrive. Ouais. Oh, ça me parle en vrai, cette histoire-là. Bon, bah go, hein. Non, je suis ouf. Le mec, il est perdu. Putain, mais y'a vraiment des slimes qui pop tout le temps, par contre. On va faire de la magnum torche. Hein. Faut que je commence à faire des popos. Faut que je fasse des popos.
Donc, Oh, chier de casing. Parce que le sol déjà il fait du 9 par 9. Après, tu me diras, c'est beaucoup de murs, enfin beaucoup de vide qu'il va falloir. Parce que des vides, mais on faut combien? On faut 7 par 7 de chaque côté. Allez, on va faire 200. Et du coup, des control rods, m'en faut 9. Ouais. Le contrôleur, m'en faut 1. Les access ports, m'en faut 2. Les coulant ports, m'en faut pas 1. Le power tap, m'en faut 1. Ça me parle tout ça. Ça me parle, mais c'est surtout que. Putain, c'est long à faire en fait. Ah, c'est le graphite qui prend 3 plombs? Je crois bien. Je crois bien que c'est le graphite le souci. Attends, on a déjà commencé à mettre. Mais y'a plus de casing! Ou alors? Mais par quoi mes casing? Ah, ça en fait fumer pour faire des vitres, je crois. Hein. C'est quoi qui fait le graphite actuellement? C'est ça qui fait le graphite. Le graphite, je vais en faire en plus. Prendre du coal là. Boum 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 boum. En fait, t'es en alloy only. C'est moi un old smelting, moi. On va rajouter 3 charbons à côté, comme ça sera fait. Voilà. Est-ce que ça me les comptait plus rapidement du coup? En raison, ça me les compte plus rapidement quand même pour les crafts. En fait, ça me compte ceux de l'Alloy Smelter parce que ceux des Alloy Smelter finissent dans les interfaces et du coup sont quand même considérés comme étant pris en compte dans l'autocraft. Hein. Vu qu'ils finissent dans des interfaces en fait. Hein. Et ma foi, fort intéressant. De toute façon, ça me paraît beaucoup. Au pire, les 200 que je fais là me serviront quoi qu'il arrive à faire des vitres par la suite. Donc, ils sont pas perdus. Il faut ça. Et Nathan, comment ça va? Oh, petite quête de l'idée. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'idée. Et on fait juste le contrôleur, mais donc. Pousse la torche. Bien, et toi, bah ça, super. Ah, écoute. De toute façon, globalement, si ça irait mal, je serais pas en live. Hein, mais... Merde. Bon, déjà, on a la base. On suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6. C'est Sphinx. Ouais, tu. Il est pipouette. Je vais juste mettre des torches, t'as sans le temps de tout compléter. Qui fait fait le jeu. En vrai, attends, j'ai quasiment crafté si. Oh, bien. J'ai quasiment fait ce qu'il fallait en termes de casing là. En termes de quantité. Parce qu'en théorie. Ah non, il m'en faut pour le plafond. En vrai, lui, on va le mettre là. En fait, idéalement, tout ce qui est toute l'automatisation de l'entrée et de sortie de mes réacteurs, en vrai, elle se gérera là. Sur ce côté. En fait, faut voir comment on gère le truc. Est-ce que... En fait, j'ai pas besoin de relayer Applied, ça. Je pourrais passer par des... Par des Ender Chests. En fait, je pourrais très bien mettre un Ender Chest quelque part, là, n'importe où. Certaines couleurs. Sur lequel je mets un exporteur, avec du Yellorium. Et en fait, cet exporteur-là est relié, du coup, à mon...
mon réacteur ici. Ce qui m'a dit de devoir tirer un câble en fait applied de là-bas jusqu'ici, juste pour faire un export de ressources quoi. Donc ça c'est le premier point. Et après du coup le cyanite je le sors dans un deuxième underchest. Et qui en fait est juste underchest où j'ai toutes les merdes là-bas quoi. Non peut-être pas dans celui-là, je sortais tirer plutôt dans l'underchest qui est directement relié à mon applied. Hein. Je viens de remettre des drawers là. Trop de drawers. Hein. Trop de drawers, tu es drawer. Hein. Ça manque dans un tangled, ouais. Mais bon. Je pense qu'en 1.7, s'il y avait ce genre de choses, ça serait un peu bancal. Hein. C'est ce que je veux dire. On rigole comme ça. Hein. Pim, pili, pim. Alors d'après mon design, j'espère que le site il est encore correct, hein, parce qu'en vrai ça se trouve là je fais tout n'importe quoi, je fais du caca. Hein. Ça fait de la lumière ça? Apparemment. Apparemment, apparemment. C'est con que ce soit pas tout collé, sinon j'aurais fait ça à la wand, mais là j'ai pour deux blocs un peu la flemme. Un peu la flemme de faire la wand pour lever deux blocs. Hein. Quel? Pourrais live sur Minecraft un jour? Si? Ouais, t'aimes pas Itel? Non, Itel. C'est vrai que c'est très ressemblant. Mais bon. Qu'est-ce qu'il manque là-dedans? En vrai, rien. Si ce n'est le cryo. Bah, il manque les vitres déjà, parce que pour mettre le cryo, ce sera mieux si ça coule pas partout. Tu Nexus. Tu mets toi comme coulante, je pense que je vais faire ça au cryo. Je pense. J'ai toujours fait ça au cryo. J'ai toujours fait chier à faire ça au cryo surtout. En vrai tu me diras c'est moins galère que l'Enderium hein, parce que l'Enderium je sais pas si quand tu vas dans l'Enderium tu fais TP ou c'est que les items qui vont dedans qui se font TP, je sais plus. Ils sont classe les vitres à l'époque. Oula. C'est quoi mon mode préféré sur Minecraft? C'est compliqué en vrai. En vrai, il y en a plein que j'aime bien. En vrai, ce serait compliqué de pas dire Enderio. Et en fait, il y a plein de modes que j'aime bien faire. Astral, j'adore faire Astral, tu vois, par exemple. C'est vraiment un mode que je kiffe. En fait, Enderio, c'est pas forcément tout Enderio que j'aime bien, tu vois, surtout après le concept des câblages et tout, etc. Mais. Enfin. C'est vrai que j'ai la liste un peu de tous les modes un peu populaires sous les yeux pour vraiment savoir. Mechanism, j'aime bien, mais Mechanism, tu vois, c'est juste des machines, donc c'est pas non plus. Donc après, tu me diras le Mechanism avec les réacteurs nucléaires et tout de maintenant, avec les trucs à fission, tout le bordel. Sympa, quoi. Sympa. J'ai rapide poil assez de glace aussi là. De vitre hein. Nice. Bon, il me faut la blinde de cryo par contre maintenant. Et ça on va pas s'amuser. Je vous le dis. Là pour le fun. Pour le fun c'est pour le fun hein. Je vais prendre un tank. Enfin, je vais crafter un tank plutôt. J'en ai pour. Moi du fuel. Je me souviens, avant moi je mettais de la redstone. Hein. Pourquoi? Pour le réacteur? Faut que je vois à combien je les enfonce les rods. Ah putain, mais attends, en fait mon design il les enfonce à combien les rods? Trop lourd d'insertion? 0%. Ok, ouais, non, il est classique, on est d'accord. Après, il me dit optimize, mais ça fait quoi optimize? Donc le plus opti c'est de les mettre à 72%, je produis que 12 000 RF. Mais ouais, c'est de la merde. Hein.
En vrai, si je veux avoir au moins 25 000 RF de prod en perma, je les enfonce à 29%. Si je les enfonce à 29%, j'ai 25 000 RF en permanence de produits. Parce qu'en vrai, huge. Pour une consommation de lingots de 0,35 lingots minute. Si je consomme un Yellorium toutes les 3 minutes, je pense que ma lazarderie là m'en ramène un peu plus. Hein. Sachant qu'en vrai, les 25 000 RF, ça alimente une lazarderie en plus tout seul, tu vois. Donc, ou alors ça alimente genre une courrie fortune 3, tu vois. Donc, sachant qu'à côté, j'ai mes champs qui produisent 30 000 RF. À côté, j'ai mes panneaux solaires qui produisent 25 000 RF la journée. Enfin, 20 000 RF. Là, on serait sur une production permanente de 50 000 RF. Au moins. Plus, je sais pas. Sauf ton serveur a crash. Qu'est-ce qui cause? Y'a pas crash ton serveur sur internet. On regardait le design. Oui. Ça se remplit là-dedans, ça? Hey. Il est rempli de quoi, là? Ah mais attends, je vais avoir un petit problème ces choses. Attends, mais il n'y avait pas une histoire que le cryo ça me foutait la merde dans les machines quand je le craftais? Non, y a pas de raison. La snowball à part où? On sait y avoir de la snow qui s'en sait mettre là-dedans là, non? Ah, il le craft. Ah oui, il les met enfin. Ok, non, il voulait pas la mettre avant, très bien. Il est parti. Ah, mon cerveau, tu voulais dire peut-être? C'est vrai que j'ai pas lu cerveau, j'ai eu serveur vu que ça commençait par un S, mais. C'est bon. Allez, fou le bret, cette machine, elle est aussi lente que ça. Au secours. Hein. Au secours. Hein. On reste de la glow encore ou pas hein? Ouais, pas beaucoup, hein. On va la conserver en vrai. Et du coup, mes panneaux solaires ils sont faits? Ouais! On va installer ça. Le temps que ça me fasse mon cryo. En fait, je pense qu'avec ce que j'ai demandé en cryo, j'ai même pas ce qu'il faut surtout. Verra bien. Hein. On verra bien, on verra bien. Ah, c'est spawnable ici. C'est l'embrouille ça. Voilà! Ouais, il manquera pas beaucoup d'iridium pour refaire un quantum. Sachant que les quantums nous en faut 9 au total, je crois, pour un craft, pour avoir la créative cell. Attends, mais il fait jour ou il fait nuit? Ah, la nuit vient de se terminer. Je comprends pas la wifi quand t'es sur ton tel. En stream, je regardais en 1080p, mais pas celui d'un autre streamer. Ah ouais? Pourtant, je suis à 8000 de bitrate en plus, tu vois, donc. Bon. Parce qu'il y a un cryo. Là, j'en ai quoi? J'en ai 400. Même plus, j'en ai 500. Quand je dis 7, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 fois 7, ça nous fait 280. Il faut 280 buckets en vrai. 280 buckets, ça fait plus que ce que j'ai en cryo là. Parce que je crois qu'un cryo, ça me fait un quart de bucket. Hein. Au pire, le temps que je. En fait, là, je vais attendre que ça se finisse. Je vais déjà remplir mon tank avec ça. Et le temps de poser des buckets, je recrave du cryo en vrai. Enfin, ça. Ah ouais. Ah bon, on est bien, en vrai là parmi des buckets on va produire ouais. Faites un lingot d'uranium, enfin de yellorium va me produire un lingot. Hein. Va me produire 85 millions d'RF. Par lingot. Sachant que j'ai. Un lingot là. 58 000. Coucou Cest le chat IKA ATV Shark de 4 mois. Merci beaucoup Azorkadok. Autorisé pour ton quatrième mois. Ça va. Et d'ailleurs, il y a le September qui revient.
Du 1er au 31 septembre en gros quoi. Enfin en fait, enfin, tout le mois de septembre, enfin à partir du 30, ou 30 septembre, je sais plus combien de jours. Enfin à partir du dernier jour d'août là, à partir du 31 août à minuit, jusqu'au 30 septembre à minuit, il y a moins... Combien de réductions? Combien de réductions? Alors, le temps que ça charge, il y a moins 25% de base et il y a moins 30%. En fait, en gros, enfin, il y a moins 25% si jamais vous prenez des subs pour 1 ou 3 mois et il y a moins 30% si jamais vous prenez des subs pour 6 mois d'un coup. Mais en vrai, ce qui fait qu'en gros, un sub tier 3, ça coûterait 14 balles. Sachant que moi je touche dessus. En théorie, je touche 14 balles dessus, mais. La théorie. Ouais, je touche un peu plus de 10 euros, je pense, dessus. Enfin, un sub tier 3. Tu retires la TVA et derrière, tu mets 70% de ce qui reste. Donc en fait, ça ferait quand même. Ah, c'est pas mal pour les tier 3. Ah, même pour les tier 1 en soi, hein, pour les tier A, ça reste comme bien plus rentable que. Tu as ça plusieurs mois de suite, je pense. Bah, ceux qui peuvent le faire, en vrai, autant en profiter. Parce qu'en fait, ça vous économise quand même vachement. En fait, ceux qui savent, de toute façon, qu'ils vont rester sub pendant un petit moment, le fait de prendre 6 mois d'un coup, oui, ça va quand même vous faire 30% d'économie sur un certain montant. Donc, je parle de ça, mais là, j'ai une pub, c'est Nothing. Et ça arrivera du coup, ouais, comme dit, le 30 août, hein. Enfin, le 31 août à minuit. Ah non, c'est même pas à minuit, c'est à 22h. Je serai pas en live, de toute façon, le 31 août, je pense, à cette heure-là. Mais c'est quand le 1er septembre? C'est un quel jour? C'est un vendredi, bah voilà. De toute façon, cette période-là, je serai en live quasiment tous les jours en vrai. Enfin, le 1er, 2, 3, 4, 5, 6, je pense que je serai en live. Le 7, je serai pas en live, je serai dans l'avion, ce sera compliqué. Le 8, à voir si je live. Et le 9, de toute façon, il y a le début de Vault Hunter. Après, voilà quoi. Après, moi, je rentre chez moi le 21. Et après, il reste encore 10 jours, de toute façon, info sur Vault Hunter. Et il est pris, hein. C'est combien un T1 en France? C'est 4 balles. Essaye de tout. Ben as-tu? Ton abonnement se termine le 17 octobre, ça va. 7 septembre, tu veux dire, non? Arrête, je sais pas si y a la réduction pour les resubs automatiques ou s'il faut pas cancel son sub, puis le refaire, tu vois. En un mariage début septembre, tu vas pas être gêné pour sub. C'est vrai que c'est cette merde. Hein. Ouais, bah, mariage, j'y vais, je bouffe, je repars en toute. C'est 600 yens en un sub tier 1 au Japon, donc ça fait 3,80€. En vrai, mec, depuis le Japon. Hein. C'est Octa, Brother Kadok? Mais attends, mais t'as pris 2 mois d'un coup? Ah, ou alors t'avais pris 6 mois d'un coup, je crois. Non, t'avais pris 6 mois d'un coup au début, je crois. Je sais plus. Ouais, t'avais pris 6 mois, c'est pour ça. Mais je crois que de toute façon, de base, t'as des réductions quand tu prends plusieurs mois d'un coup sur Twitch. Ouais, faudra trouver des idées de sub goal après avoir par rapport à Vault Hunter qu'on sera dessus, qu'est-ce qu'on pourra faire, quoi. C'est vrai qu'on n'a jamais d'idée de sub goal en fait. Ouais, j'en ai jamais d'idée, tu vois. Famille, mon pote. On va prendre un petit chest là. On va se mettre ça au-dessus. Hop! Tu veux pas sub tier 3? Je crois que sur tel. T'es sur tel ou t'es sur PC? Sur PC? Y'a pas le tier 3. Ah ouais. Tu vois T1 d'abord? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Mais t'as pas sub ce compte de toute façon, t'as un autre compte. Fallait combien de buckets j'ai dit? Je sais plus. J'ai dit que c'était 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 7. Ouais.
280 buckets quoi. J'ai même pas la moitié. J'ai même pas la moitié. Du coup bah cryo, je vais en demander quelques-uns. Et on en fait 1000. Hop. C'est ma couille. Hein. Pas de creeper qui a spawn là-dedans, c'est bon. Alors, on va mettre ça ici. On va se prendre un petit bucket. Ça va me foutre de la neige partout. Ça va me. Ouais, d'accord, ça tombe. Hein. J'ai oublié avec les points Star d'enfer ce qu'il y a là. En vrai, il faudrait presque que je fasse ligne par ligne. Attends. Ligne par ligne, faire plus vite. Il faut juste que je refasse une ligne en partant du début là, mais. Enfin, sans prendre le premier, je veux dire. Mais je sais plus si l'histoire de mettre le tank en mode bucket. Hein, c'est que je peux me guider en l'ayant dans la main. Bon, faut que je teste. Je sais plus si c'est ça l'histoire. Il faut le retrouver la touche. Contrôle. Termel, c'est à la fin de toute façon. C'est pas du IC2. Pas du journée map. C'est non, mais c'est l'anneau, je pense, non? Non, même pas. Non, c'est une touche. Devant, c'est V. Ouais, mais V, il y a de la merde dessus là. En V, c'est mon mode over en plus, donc j'ai désactivé le truc. Est-ce que ça existait à l'époque même? Ah ouais, le mode switch key c'est pas. C'est du C2 ça, donc c'est pas bon. Non, y'a pas hein. En fait, il y a pas parce que je crois qu'il y a en fait normalement t'as une description en dessous que ça te met justement. Normalement, ça te mettait si t'étais en mode bucket ou pas. Bon. Chipo, chipo. Ça la main, c'est pas grave. Je crois qu'à l'époque, il y avait un mode pack. Donc quand je faisais des gros tanks, ce que je faisais, et je faisais une grosse ligne de machines qui permettait de poser des fluides. Et du coup je l'ai rempli par un câble quoi. Minecraft Modé, c'est un jeu GPU ou CPU? Rien ni l'autre. Hein. C'est un jeu où il faut de la RAM. Bon c'est simple actuellement. Minecraft ça me prend... Ça me prend 10% des deux, voilà. Merde, je l'ai mis là ou pas ici? Je crois pas. Hein. J'ai mis. C'est assez, ouais. Moi j'ai 16 Go de RAM sur mon PC et j'en alloue 10 à Minecraft quoi. En fait, peu importe ce que je fais sur Minecraft, j'en alloue 10 Go. Que ce soit du mode du vanilla, etc., j'en alloue 10. Bon, chier comme ça. Alors attends, faudra pas que je me gourre, faut pas que je mette la dernière ligne, parce que la dernière ligne c'est là où on va mettre tes blocs. En vrai, est-ce que je bouge pas maintenant? Comme ça je sais ce qui a déjà été fait ou pas. On va faire ça je crois. Hein. Peut-être va falloir quelques casings. Faire ma compo quelque part? C'est bien 32, c'est mieux. En fait non, moi j'ai 32 Go de RAM. Le problème c'est que j'ai deux barrettes de RAM, je crois qu'il y en a une qui est dead.
En gros. Soit il y en a une qui est dead, hein, soit c'est mon socket qui est dead. Hein. Mais la dernière fois que j'avais essayé de magouiller, tout bidouiller, tout modifier, tout changer dans le PC, c'était pas prévu, passé comme prévu, donc j'ai pas testé quoi. Bon, en vrai, vas-y, on va faire les deux ici. Plus jamais, ah ouais, non, on évite. Un R5 5500, c'est suffisant. Au mieux pour du bon modé quand même. Hein. Un processeur ou c'est une carte graphique ça? Pas très bien en composant donc processeur. Ah, un Ryzen 5 tu veux dire du coup imagine, non bah ouais un Ryzen 5 en vrai y a pas besoin en fait de matos ultra performant de toute façon parce que de toute façon il n'en tirera pas plein potentiel le jeu donc aussi sur ce qui s'est passé de quoi avec mon PC en fait moi mon PC le problème c'est que les slots où il y a la RAM sur ma carte mère en dessous du ventiradin. C'est chiant d'accès en fait. C'est chiant d'accès. Et en fait, mon ventiradin, le fan qui est devant, il est attaché par des petites pitouilles de fer de merde. Hein. Petites pitouilles en métal là. Donc à chaque fois, pour peu que tu frôles le truc, ça se casse la gueule et ça part en couille quoi. Donc voilà. C'est vrai que chiant. C'est bon. De toute façon, en vrai, globalement, si je peux prendre la source là, c'est que c'est bon. Oui. Ah, mais attends, mes rods, il faut que je les mette toutes à je sais pas combien. C'est peut-être mieux d'avoir un truc qui contrôle. T'as pas un bloc qui contrôle les rods? Peut-être le Red Netport, je crois. Je crois que tu peux le contrôler tout depuis le réacteur. Alors, je sais plus. La peur avait un vieux PC de 8 ans. Ouais, non mais. Après, là en plus, on est sur du mode 1.7, ça dépend ce que tu veux faire. Après, sur du 1.18, tout ça, ouais, c'est un peu plus gourmand quand même. Mais en fait, le truc, c'est que t'auras beau avoir une machine de guerre. Enfin, quand même limité par le jeu, de toute façon. Donc... J'ai beau avoir quand même une bonne carte graphique et mon processeur et tout. C'est pas rare qu'après, souvent, en modé, en fonction de là où je me retrouve. Et j'ai pas 60 FPS quoi. Y'a une source là? Reste combien de buckets là-dedans? Pourrait suffire de faire cette ligne, je pense. Ouais, c'est chiant parce que là, du coup, il y a des. Y a... Ah! Il y a des trucs en fait sur lesquels je vais cliquer, c'est des rods. Hein. Donc, je suis obligé de, si... enfin, de shift-click pour pouvoir poser le bucket. Oh, j'en suis à gauche. Ok, je suis pas bon. De toute façon, je suis loin d'être bon en fait là quand je vois à quelle hauteur c'est. Ah oui, non, au secours. Il reste de quoi faire 3 allers-retours. Ça devrait être bon. Crois que là on est bon. Ouais. On a la bonne hauteur normalement. Ok. Il me reste 5 buckets. Il est pas dingue. Il est pas dingue. On a fait la moitié du truc en vrai. Vas-y, go. Niveau cryo, j'en suis où? Dans mon craft. On a quasiment fini. Parfait. À limite, je vais cancel parce que j'ai déjà assez. Quoique, non, si je cancel, ça va laisser la redstone dedans. Ce qui est pas incroyable. Comment il me reste autant? De redstone.
Ah oui, si, ça prend 200 par 200. Ça me paraît quand même énorme pour ce qu'il me reste à faire. Pas clair. Putain, mais t'avais même pas follow avec ton compte WAF en fait. Hein. Secours. Je crois que ton modpack là c'est moins gros qu'un Minecraft 1.20. Je sais pas s'il y a une grande différence entre 1.20 ou 1.18, ce genre de choses, tu vois. Mais Je sais pas. En fait, c'est vrai que j'ai un peu peur là-dessus, Vault Hunter. C'est est-ce que ça a bien tourné sur mon PC portable? Ça devrait. Tu me diras si Modécube a tourné sur le PC portable, Vault Hunter devrait tourner. Mais faudrait que je teste en amont. Le problème, c'est que j'ai pas envie de télécharger trop tôt le pack parce que je sais pas si jamais après, peut-être que le pack pourrait être mis à jour entre deux et que ce serait pas la même version, etc. Enfin, tu me diras, faudra juste update sur CurseForge, mais. Mais ouais. Je verrai dans 2 semaines pour tester ça. En fait, enfin, le pack tournera sans problème sur PC portable. Après, c'est ce qui tournera en stream 1080p à côté. Avec un deuxième écran branché. Tout, quoi. En vrai, de toute façon, je vais le remplir de full cryo lui. Hein. Ce tank là, il me servira qu'à ça. Hein. Même si j'en mets trop, c'est pas grave. Hein. Vas-y. Hein. Vas-y. C'est pas les disquettes ici? Ah non, à chaque fois je crois qu'il en reste maintenant. Mais s'il me reste des crafts en cours, non. Enfin les disquettes. Bon, c'est quoi qui coûte cher pour les disquettes souvent? C'est un peu de redstone, un peu de quartz quoi. Le reste, coûte peut-être. Hein. Et niveau quartz on a 40 000, niveau redstone on en a 106 000. Hein. Donc ouais, je peux balancer quelques disquettes en plus encore. Je verrai après. Il est pipin. Mais moi j'ai pas fait gaffe, c'est quand j'ai voulu regarder le prix des subs, j'ai vu un bouton que j'avais pas vu depuis longtemps. Aïe aïe aïe. C'est marrant là, je regarde chez mes parents en ce moment il fait 26 degrés. Et genre à 30 bornes à côté il fait 38 quoi. Ah non je suis con, c'est pas les températures, c'est l'humidité. Et... Salut Nuna, comment ça va dis donc? Comment as-tu? Et salut les BS hein. Le con. Bah non mais je me disais, en fait enfin qu'il fasse 26 et 38 à côté c'était pas si choquant que ça. Puis je vois un 58, un 63, un 71, je me dis c'est peut-être pas les températures tu vois. Peut-être pas les températures. Non chez mes parents il fait combien là chez mes parents? Il doit faire un bon petit 37 je pense. Ouais il fait un petit 37. Ah mais c'est vrai que ma mère là, ça commence à la fatiguer un petit peu parce que ça fait genre une semaine au moins qu'ils... Non ça fait genre 2 semaines qu'ils sont plus que 30 degrés et là ça fait une semaine qu'ils sont genre à 35 quoi. Et ce week-end, ils vont avoir 40, 41. Ouais. C'est là qu'ils ont la piscine, quoi. Ça y est, toi, je viens de prendre un cours de Minecraft. C'est ça, super, écoute. Hein. Bah là, en plus, c'est pas vraiment du Minecraft, c'est du Minecraft modé, quoi. Un peu plus le bordel. Hein. C'est un peu plus le bordel. Hein. Bien d'où, lui. Hop. Hein. Pour essayer de faire un réacteur nucléaire, mais c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Tac. On était sur cette ligne là. Hein. Ouais, j'avais entendu hier la Cruella qui disait que t'allais aller passer quelques jours chez elle du coup. Aujourd'hui il faisait 33, ressenti 42, 43. Ouais, mais ça c'est le Japon. Mais tu vois, le Japon en été, j'irais pas, je pense. Pour l'avoir fait en hiver. Un intérêt, elle en était pour moi. En hiver, il était déjà bon.
Surtout en fait en hiver il fait sec. Il fait sec, il fait sec. Et puis déjà en hiver on avait la clim dans l'hôtel donc en été j'imagine pas. Tu vas la voir le week-end prochain. Ok. Nice. Ah, bah, je crois qu'elle parlait qu'elle voulait faire peut-être une sorte de marathon pour le lancement de Warpcore, hein, mais qu'elle voulait pas faire un truc trop long non plus parce que sinon après vu que t'arrivais ça allait être compliqué quoi. Il a joué au basket dehors, il fait 30 degrés. Il fait si lourd, c'était horrible. Hein. Bah après ça dépend. Non, oh, c'est bon. Okay. En fait, ça dépend vachement du taux d'humidité aussi. Nous, c'était quand c'était. Hier, il faisait pas si chaud que ça, mais il faisait super humide, un petit peu moite. Comme s'il allait avoir de l'orage, tu vois. Et enfin, là, c'est suffocant, quoi. Cette ligne-là, c'est bon. Bon, ici. On parlera pas d'humidité. Bah déjà t'as de la chance, le typhon est à éviter. Déjà t'as de la chance, le typhon à la base il va aller sur Tokyo. Donc bon. Il a niqué ton week-end à Osaka quand même. Ouais, il peut pas tout avoir. Hein. Un réacteur pour produire quoi? Oh, accessoirement, je dirais de l'énergie. Là, comme ça, tout de suite. Non, bah après, en fait, enfin, normalement, ici, j'aurais un gros réacteur qui sera du coup plus gros que celui-là. En fait, j'en aurais deux ici et deux là. Et en fait, les quatre réacteurs me serviront à produire de la vapeur pour faire les turbines qui seront au sol et au plafond, tu vois. Mais là, j'ai clairement pas les ressources pour faire ça. Tu aurais été où? J'ai clairement pas les ressources pour faire tout ça donc bon, à ce moment, je vais en faire un qui va me faire de l'énergie. Ça va me faire du cyanide en même temps. Ça va me consommer un peu mon yellorium qui commence à s'entasser et dont j'en ai plus grand chose à faire là. J'ai bien mis une source en trop ici en fait. Et les réacteurs pour le plutonium, pour le yellorium, etc. Donc, non, mais ça c'est vraiment les réacteurs un petit peu classiques que je faisais très très souvent à l'époque hein, parce qu'ils demandaient pas beaucoup de ressources pour être setup. Hein. C'était un petit peu chiant bah, justement, comme tu peux le voir en fait là pour le liquide. Hein. Parce que tu peux pas juste mettre une source en fait en haut et qui descend et qui te refroidit le tout, tu vois. Là en fait, ces sources-là, à savoir pourquoi elles ont été designées comme ça, quand tu les poses, elles tombent. En fait, elles sont soumises à la gravité et là tu poses ta source, ça va tomber, elle va se mettre tout en bas, tu vois. Du coup, bah il me faut 7 sources par colonne quoi. En fer. J'ai pas dit le pseudo, mais j'ai dit que c'était la dame à la Lego. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah tout à l'heure il y avait Ba aussi qui était là. Et monsieur qui a fini sa salade, hein. Le seul. D'ailleurs je le rends en brigade pour aller faire du wardcore là. Aïe aïe aïe. Il a dit qu'il ne retoucherait plus au jeu. Ah oui il est là-bas, terrible. Il est encore là. Ouais, go hardcore, ouais. Mais en fait, moi, le problème du hardcore, c'est que je me connais. Je vais faire un perso, je vais arriver niveau 10, je vais changer de perso. Ça va faire ça à chaque fois. Là, je vais créer un hunt, je vais monter niveau 10, je vais avoir mon pet, je vais être tout content, je vais vouloir faire un war, je vais remonter un perso, etc. etc. quoi. Au moins, ils seront tous en XP bleu, mais. Si je meurs pas avant. Ouais, j'espère pas mourir avant le niveau. Ça c'est surtout à Bazon qu'il faut le dire, mais Bazon il est expert des morts un peu bizarres quoi. Disons qu'il meurt là où les autres ne meurent pas quoi. Sais plus c'était quoi comme mort à la con que t'avais eu, bah improbable quoi. C'est quand Wardcore ça commence. Mais en fait, je sais pas c'est quand Wardcore. Hein. Parce que je vois partout que c'est le 24. Mais alors, est-ce que c'est le 24 aux States? Hein. Ce qui veut dire que nous, en gros, bah, c'est genre à 23h59, quoi. Donc en fait, est-ce que c'est entre jeudi et vendredi? Ou est-ce que c'est entre mercredi et jeudi? Mais je pense que c'est plus entre jeudi et vendredi. C'est souvent ça sur le classique. Voilà. Ça m'aurait plus arrangé que ça sorte en novembre. Mais... J'ai si peu joué à Classic, si je teste Wardcore, ça va être si dur.
En vrai, ça dépend ce que tu joues, je dirais. Faut pas commencer genre par guerrier ou quoi. Je pense pas que ce soit le mieux. Après, ouais, c'est un peu archaïque dans le sens où bon, faut pas être pressé quoi. Faut pas être pressé. Et les trucs, c'est vraiment rudimentaire quand même. Mais les classes à familier comme Demo ou Hunt, franchement, ça joue vraiment bien. C'est assez agréable. C'est pour ça que là, je vais commencer par un petit chasseur. Bon, t'as pas le pet avant le niveau 10, donc faut juste survivre avant. Surtout qu'en fait, à l'époque, sur classique, en Hunt, si la cible était à moins de 8 mètres de toi, tu ne pouvais plus tirer. Donc, bah, en fait, tu poules, tu mets 3 flèches, et puis t'es au corps à corps, quoi. T'es là à te battre avec ta hache. Merde. Attends, faudra pas que je remette une source ici. Ouais, donc j'avais bel et bien fait beaucoup trop de cryothéum. Très bien. En vrai, j'ai juste envie de lancer le réacteur pour voir comment il se débrouille. On va boucher tout ça. Voilà. Si vous voulez, on se fait une team de 3. Bon, en vrai, moi, grave chaud, hein. En vrai, grave chaud, hein. Après, je sais pas parce qu'en fait. Avant le World Core, là, quand c'était pas officiel, il y avait là les restrictions, fallait passer par un add-on, c'était chiant parce qu'en fait, si tu jouais à plusieurs, fallait tout le temps être connecté en même temps, fallait machin, enfin, c'était une. Tu pouvais même pas forcément. Tu pouvais pas trade avec les autres joueurs en fait, sauf ceux bah, qui étaient dans ton groupe, dans ta partie. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si jamais même tu voulais juste te connecter pour peut-être aller à l'hôtel des ventes, ou pour aller juste peut-être fermer des plantes, ou quoi, le temps de que tes amis reviennent ou autre, tu pouvais pas. Mais normalement, il y aura pas toutes ces restrictions, je pense, sur le WoW officiel. Hein. Est-ce que c'est bon? Ouais. Alors du coup, non, ici je peux pas gérer les rods. Hein. Là-dedans, je peux pas les gérer. Bon, là, de toute façon, tu peux rien gérer du tout. Et pour retrouver où c'était, bonne chance. Merde. En vrai, je crois limite, je vais mettre des torches dessus. Voilà, faire ça. Moi, ça fera fondre la neige. Juste le week-end du 25-26, du coup je suis chez Crayola, on voit ça par Discord pour s'organiser ça. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Bah de toute façon tu m'as en MP Discord donc y a pas de problème. Hein. Bah après de toute façon moi je ferai sûrement un petit perso avant, histoire de m'en mettre un petit peu dans le bain. Faudra voir du coup quelle classe on joue aussi, parce que comme dit Bazon, le mieux ça sera de jouer la même race. Donc à voir si peut-être on joue peut-être pas genre je sais pas humain ou un truc comme ça où t'as quand même pas mal de choix en termes de classe. Voire au moins faire de quoi faire une petite compo sympa quoi. Alors j'avais dit 29%. Shift Alt, mais c'est quoi cette merde? Comment ça Shift Alt? Ok. Mais c'est peut-être avec Computer Craft que tu pouvais tout gérer d'un coup. Oh, c'est ça. Hein. C'est vrai que j'en ai mis 8 parce que. Ah non, merde, attends, il y en a une au milieu. J'aurais bien un petit Shadow Priest ou un DC au pire, mais je peux changer. Alors après, je sais que Prêtre-ombre, à l'époque, c'était pas dingo. Tant que t'étais pas genre niveau 40 et que t'avais la forme d'ombre, tu vois. Si tu joues près d'ici, par contre, je jouerais bien un petit. Oh, je ferais peut-être limite un petit War Tank, un truc comme ça, je pense. Ça me chaufferait bien en vrai. Ouais, prêtre, c'est un peu spé baguette quoi. Tu mets ton shield, tu mets ta rénov et tu tapes à la baguette. Quoi. Non, mais c'était sympa. J'avais presque hésité à le faire là en premier perso, mais tout seul, c'est un petit peu long. Par contre, en groupe, c'est trop bien, quoi. Parce qu'en fait, t'es vachement utilitaire du coup, et tu peux même aider à pool, tu peux multi-dot, tu peux faire tout ça, donc ça combotte bien, quoi. Ça combotte bien. Il faut mettre combien de Delorium là-dedans? Bon, c'est au moins 6 stacks. Déjà remplir la main, voire. Ah, mais attends, faut que je les change, ça du coup. Comme ça? Comme ça, ok. Donc là, j'ai mis un stack, ça remplit combien? Ok, il faut 4 stacks. Hein. Fait, le problème, c'est que mon réacteur, il va produire dans le vent, dans le sens qu'il va être full énergie.
Alors j'augmente mon stockage d'énergie. Enfin, j'augmente mon stockage d'énergie, et enfin, surtout que j'augmente ma consommation d'énergie du coup. Peut-être faire une deuxième laser trade, je pense. Durée des caisses, c'était pas ouf non plus. Bah, le druide, le problème, c'est que c'est elfe ou rien quoi. Après, elfe peut faire druide, prêtre, war. Les trois sont dispo. Mais druide, tu pourrais jouer en feral, sinon limite un petit peu aussi. Mais druide, je sais pas ce que ça valait à l'époque, je crois que c'était pas très dingue. Et ça marche, Nona, du coup. À la prochaine, hein. Passe une bonne journée, du coup. En vrai, ce serait trop cool si on fait une petite aventure comme ça à plusieurs, là. Moi, je pense que je ferai mon petit hunt, quoi qu'il arrive, de toute façon, solo pépouze dans le coin. Après, le souci, c'est que par contre, faire la petite aventure comme ça à plusieurs. J'aurais pas trop le temps de jouer, moi, après. Dire, si on se commence ça, peut-être début de semaine du 28, machin, ça ferait une grosse. Ça ferait 10 jours au moins pour jouer au début ensemble. Après, chez mes parents, j'aurais pas trop le temps de play. Ouais. Je verrai. C'est Manavor et qui? Ouais. Bah, c'est Manavor, puis. Wow, c'est pas le plus dingue, quoi. Chasseur ou démo, ça te va? Bah, on peut se faire humain alors, si tu veux refaire un petit démoniste. On peut faire humain. T'as ton petit diablotin et tout, en plus, qui nous buff tout ça. Hein. T'auras pas forcément besoin du marcheur du vide, parce que moi, je serai sûrement tank. T'auras des dégâts, t'auras de la WE. En vrai, ça peut être un bon truc, hein. Ça peut être un bon truc, hein. L'avantage des nains, c'est que t'as les gnomes aussi avec. Ouais, après, nain prêtre, je sais pas si c'est très fou. Peux faire les dingues gnomes, hein, mais. Aïe aïe aïe. Et attends, ouais, mythe vie. Par contre, t'es fait défoncer par les moustiques. Enfin, les moustiques au Japon, c'est un autre délire. Hein. C'est vrai qu'en hiver, il n'y en a pas, mais. Oh, j'ai balancé des capacitors, enfin. Non. Si j'en veux 20. Ok, bon, j'en voudrais pas 20 du coup. Non, faut que je fasse des chipsets. Hein. Tu me diras, les chipsets, je peux m'en faire 12 au stack. Hein. On a vu qu'il y a 12 slots. Hein. On va faire ça. Et puis pour le coup, pour consommer de l'énergie, c'est une bonne chose ça. Une bonne chose, c'est une bonne chose. Putain, mais du coup, il va falloir que je fasse mon un solo. Avec moi, il va falloir que je fasse mon prêtre. Et avec vous deux, il va falloir que je fasse mon war. Ouais, en vrai, ça va être trop bien. T'as full hardcore quoi. Terrible. Donc il va falloir un transceiver. On est déjà un, parfait. Under chest, il va falloir 2. Il m'en falloir 1, il va falloir 3 en fait. Parce qu'il m'en faut 1. Enfin ici il m'en faut 2 du coup. Attends, et ça m'emmerde ce truc là, on va agrandir le trou là parce qu'ici on peut rien faire là. De toute façon faut aller je creuse tout le mur entier parce que quoi qu'il arrive au milieu il y aura des trucs et puis. Ah non mais attends, mais ici il faut pas que je creuse. Wait. Non, ici il faut pas que je creuse. Même sur Air France, on peut pas avoir les billets d'avion plus d'un an avant. Non. Non, ouais, les billets d'avion, c'est un an avant. En fait, je crois que c'est ouais, c'est tout l'un an que t'es. Et encore, le problème, c'est qu'en fait, là, ils te mettent les programmes à l'avance. T'es pas à l'abri que ça change. Hein. Je le dis. Enfin, c'était surtout pendant le Covid. Pendant le Covid, les programmes étaient jamais mis à jour. Bon, là, maintenant, il n'y a plus trop de problèmes. Hein. Mais ouais. Après, ça reste mieux que les trains ou les TGV. Je crois que c'est 3 mois à l'avance. Et TER, c'est genre 1 mois. Donc. TER, c'est peut-être comme les TGV, tu me diras. Mais ouais. Mais d'un côté. Et les prix, que tu les prennes genre plus d'un an à l'avance, que tu les prennes en 2 mois, c'est les mêmes. Parfois, c'est même moins cher de les prendre dans 1 ou 2 mois que de les prendre 3 à l'avance, tu vois. C'est. Je sais, je pars à Barcelone en octobre. Hein. J'ai pris en juin, j'ai déjà eu 2 changements d'heure. T'as pris quelle compagnie pour y aller? Ça, on va mettre ça là. On va se mettre ça ici. Et on va se mettre ça comme ça. Bon, j'aurais bien mis un code couleur jaune pour le Yellurium, un code couleur bleu pour le Sienite. Mais je crois que c'est pas comme ça que ça va se passer. Ouais, tu me diras code couleur jaune. Attends, j'ai un code couleur jaune déjà sur les réacteurs, enfin sur les Ender Chest ou pas. Il est quelle couleur lui? Ah, lui, il a pas de couleur lui. Ça peut être problème. Bah, jaune, j'ai pas du coup. Putain, mais je suis coincé.
Ouais, t'avais pas vu toi du coup l'avancement en fait de la base depuis le temps bas, tu étais en vacances. J'ai du jaune moi. J'ai eu dans des lions. Ouais. Ouais, t'as Spulveris ça. Yep. Bon après c'est voilà, c'est très très classique. Non, la salle que j'aime bien moi c'est celle-là. La salle que j'aime bien c'est celle-ci. Bien avec les dans les murs là. Ça coûte très cher mais c'est bon. Aucun doute, je suis allé dans le sud-ouest en 1h30 en terrasse le soir, 12 boutons sur les jambes et bras en mode crevé. Bah moi c'est chez mes parents hein. Bah le pire c'est des mains. Encore moi je me fais bouffer mais ça va. Et bah c'est un enfer. Et bah c'est un démon moustique. Peut-être pas mettre ça ici en vrai pour configurer. Non c'est de la merde. Bon je vais mettre ça sur mon upload. Attends, si je mets ça là, je peux mettre un exporteur dessus. Export bus. Là, je crois. Ah bah oui, là je suis bien pour mettre un code couleur là. Ah, peut-être fallait y penser avant, connard. Ok, c'est bon. Bah, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas demandé, j'ai oublié de demander. Je sais pas si à cast ce soir les MDI, enfin les Grid Push, Nuna. Parce que je sais que Ruila hier a cherché. Elle disait qu'avec Kusa il leur manquait quelqu'un pour cast. Hein, et qu'il aurait bien suggéré Nuna pour son premier cast. Hein. Je veux faire, moi. Oui, je vais mettre des Eulariums là-dedans. En vrai, j'ai même pas mettre d'upgrade. Y'a une couille là. Y'a une couille dans le potage. Putain, le jaune il est déjà en code couleur. About the mission. Le jaune il est là-bas en fait. Non ? Oui il est là ! Merde, mais il a fini où ? Bah je crois qu'il a fini en poudre et qu'il s'est fait recuire. Ah, c'est un peu orangé ça non ? Orange ça passe. Red. Ouais genre un truc rouge. Non, mais j'ai même pas de colorant en plus. 5000. Ça m'en fait deux comme ça? Ouais, parfait. Enfin, je me disais, c'est bizarre qu'il se fasse AP alors que j'ai pas configuré l'autre Endor Chest, mais ouais. Encore, ça va qu'il a fini là-dedans. Il a pas fini à un autre endroit plus problématique. Donc, on disait orange, du coup, et l'orium là-dedans. Et là, tu rentres et tu ressors pas. Bon, tu rentres très lentement, mais vu que je consomme un lingot toutes 3 minutes. Je pense que cette vitesse est quand même déjà overkill. Il y a toujours rien là-dedans, ouais, non. Il y a toujours rien là-dedans non plus. Ok. Et donc ici, donc pas de code couleur, juste un diamant, c'est ça. Pour sortir le cyanite. Se bloque ou quoi? Non, ok. Donc ici, on se met en insert. Ici, on se met en extract. On s'est déjà full. Ici, on se met en extract. Ici, on se met en insert. Le cyanide sortira là. Après, pour l'énergie, par contre, théorie, je produis du 25K. Donc un câble comme ça. Punk. Oh
pas se faire chier. Voilà. Ouais, je pouvais faire l'Endorchasse full jaune, mais j'avais pas cette colorant. Bel problème. Hein. En fait, les câbles là, ils ont un transfert d'énergie infinie. Donc c'est bien pour les réacteurs nucléaires qui produisent trop, quoi. J'ai juste vérifié au niveau des configs. Ouais, il a rien, donc c'est bon. Ça va me vider un petit peu mes drawers aussi, c'est cool. Bon. Là, en théorie, j'ai absolument pas les proportions indiquées. Ah ouais, non, j'ai absolument pas les proportions indiquées. Putain, ça consomme deux fois plus que ce que ça devrait. En production d'énergie, j'ai ce qu'il faut. Par contre, du coup, je suis à 3 lingots minutes. Au lieu de 1 toutes les 3 minutes. Yes, sir. Fuck. C'est peut-être nerf en fait, hein, d'un côté. Hein. Je sais pas. Le site est peut-être pas à jour. Bah, en fait, tout le reste est bon. En fait, je suis censé produire 24 900, je produis 24 900, tu vois. Je suis censé être à 425 ici, je suis à 425. En fait, à 1415 degrés, je suis à 1415 degrés. Donc, ouais, tout est bon. Peut-être que juste sur le mode pack, la consommation est vachement augmentée, tu vois. Il y a un câble qui consomme 2 milliards pour du 25 RF. Ouais, parce que j'ai mon câble le plus puissant avec Endorayo, gère du 20 000 RF en partie. Donc, voilà. Ouais, donc voilà. Voilà le problème. Mais j'ai pas récupéré les chipsets encore. Le souci c'est que j'ai pas un truc qui le désactive quand il est full en énergie. J'ai pas un truc qui est le on-off. Et ça je me demande si c'est pas avec autre chose. C'est avec le Red Net Port. Je sais pas. Il désactive pas automatiquement. Non non non, c'est le config pour ça désactive automatiquement. Là il continue à consommer, tu vois. Après combien consomme, voilà. Mais... Je vais remettre le waste qui monte. Attends, les uns pour voir combien il consomme. Il a déjà bouffé 5 lingots. Et c'est excellent quand ça va. Y'a pas de plastique. Ah ouais. Bah ouais. C'est beaucoup là. Non mais la sodos, mais j'en ai 4 milliards, arrête de m'emmerder. Voilà. Putain, j'ai trop envie d'être la semaine prochaine, chier. J'ai juste envie de game à ou. Envie de game au hardcore là. Sûr. Alors comment que ça marche cette bidouille? Je sais plus s'il faut pas la mettre en haut ça. Je fous ça là. Si je fous ça là, ça va foutre la merde. En fait, c'est mieux de le mettre au plafond parce que comme ça pour gérer. Attends, la torche déjà. Déjà la neige là. Bon merde. Hein. Je
capiche pas tout. Il comprend pas tout. Qu'est-ce qui me cause le bordel là? Comment ça marche cette merde à l'époque? J'ai jamais vu cette interface. HL! Il est où HL? Attends, il est où dans MP? Il y a trop de DMP là! À l'aide! Parce qu'en fait, hein, ce qu'il faudrait, c'est que quand mon remplissage de mon réacteur en énergie dépasse un certain niveau, ça envoie un signal de redstone qui coupe le truc. Réunion. Ah merde! Un effort. Il faut aucun effort. On regarde Nuna et Ba dans la combo. Edson paraît net. Hein. Ah, Edson paraît net. Bah, je pense que je me donne. Hein. Ah putain, mais oui, il est là, Redstone Port. C'était pas le bon truc que j'ai fait, moi. Rednet, en fait, c'est avec les câbles de mort de Rednet. Hein, je pense. Et pas de Redneck. Hein. Ah ouais, non mais ouais, ça remonte moi ces trucs là hein. En 2010 hein. Plus. Alors mais attends. Oui, ok, il a un... Et c'est exactement la même chose, on est d'accord. Donc lui, il est actif au-delà de 90%. Et donc il m'en faut un deuxième à côté pour toggle on-off le réacteur quand c'est actif. En fait c'est exactement la même chose mais sans les câbles rednet du cul là. Très bien. Le capisco. Alors... Toi... Signal, je pense. Baratsun. Là, on est bon. Hein? Mais comment ça, c'est pas proposable là-dessus? Hein? Y'a de la merde. Et tu peux poser sur tous les blocs sauf les blocs sur lesquels t'es censé poser. Ah parce que le port il est sur le côté. Redonne. Aïe. Tout va bien se passer. Promis juré. Et plouf. Arrête! Alors, on a dit 90% way above. On a dit toggle mes couilles. Et là, boum boum, tac. Pas une solution là. Mais attends, en fait. Non, mais attends, je sais. Je la tech. Pas de moi ça. Pas le bon truc. Y'a un monde. Attends, je vais juste tester de voir comment ça se pose. Est-ce que si je me lève et que je fais ça. En fait, mais non, en fait quoi qu'il arrive, tu peux pas le foutre par au-dessus.
En fait, je peux pas le faire comme je veux. Non, mais ok. Non, mais on va bientôt c'était. C'est pas grave, c'est pas grave. Fait, ça fonctionne pas comme ça fonctionne. Enfin, comme la dernière info que j'utilisais. Bon. L'énergie là-dedans. Est-ce que là, il va alimenter ça? Oui, il devrait. Évidemment, vu que j'ai mis 90%, avant de voir si ça marche, bah ciao mon pote. Hein. Computer que je veux, capacitor. Mais je suis pas allé chercher mes trucs, je suis toujours pas allé les crafter. À l'aide! Bon, j'avais se faire ces capacitors. Mais si, je les ai fait! J'ai pas cliqué. Ça descend. Ah, ça descend parce qu'il l'a arrêté. Ah mais oui, mais attends, en fait, le problème, hein, c'est qu'il l'arrête. Mais ce connard, il le relance pas. Ou alors je devrais mettre un truc, tant qu'il est sous 90%, il est actif. En fait, il me faut un autre truc à côté qui dise que ça redémarre, quoi, mais. Mais est-ce qu'ils vont pas se bouffer entre deux, quoi? Non, y a pas de raison. Après, le toggle on pulse, ça veut dire quoi? C'est que tant qu'il y a la redstone, il s'éteint. Et qu'en théorie, il se rallume dès qu'il y a plus. On va tester. Ils ont problème chez Chabar, c'est pas t'as des gamins qui ont appuyé sur tous les boutons de l'ascenseur, les petits cons. Chais. Oh, je vais mettre genre ça, je vais mettre genre 40% parce que soit on s'en fout. Ça monte à 4000. Façon, là c'est un peu le réacteur crash test, hein. Une fois qu'on saura comment ça marche, c'est tout bon. Allez, hop, hop. Donc là, 40%, il s'arrête. Il redémarre. Il s'arrête. Il redémarre. Une 90% à tout, c'est bien. Ok. Bon, il va faire des on-off permanence, mais. C'est vrai que sinon, il aurait fallu. Ouais, tant qu'il redescend pas. En fait, est-ce que c'est vraiment grave qu'il s'arrête et qu'il redémarre? En fait, c'est soit ça, soit je fais un peu comme si c'est maintenant écrit et tout là, en mode. Je sais plus comment s'appelle la machine. Bon, bah.
Là, je l'éteins quand il est à 90%, je le rallume quand il est à 20% avec un troisième port à côté, quoi. On va peut-être plutôt faire ça en vrai, ça m'éviterait de surallumer, de faire ralimenter le truc. Parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque fenêtre, quand il va s'éteindre et se ralimenter, il va pas produire son plein potentiel, donc. C'est de la bite. Par contre, est-ce que je peux en mettre un dans le coin? Rien n'est moins sûr. Pas déconnecté, mais. Ah, on peut pas les mettre dans le coin. Quack! On va les mettre dans le bac! On va les mettre dans le bac! Une vitre. Allez. Ah, ça tabasse ce truc, hein. Pardonne pas, hein. Donc, 1, 2, 3, tac, tic, tac. On met ça dans le réacteur, au moins setup, ça nous merde plus après une fois que c'est terminé. While above, tu m'envoies un signal. While below, tu m'envoies un signal. Là, il s'est lancé tout seul parce qu'il est en dessous de 20%. Le signal va s'arrêter quand il va être à plus de 20%. Et ça devrait pas l'éteindre du coup. Attendez, ça marche pas là? T'as vu? En fait, c'est pas que ça marche pas, attends. En fait, c'est que. Attends, 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 attends. Donc, en fait, il faut que Jack il soit setup. En fait, il faut que je lance à la main. Première fois, hein. Et après, quand il est setup, normalement, je peux brancher en redstone. Bah, tout est éteint. Ouais, y'a plus qu'à attendre qu'on monte à 4 milliards de pourcents, mais. Bah, attends, pour l'instant là, je vais aller chercher mes chipsets. Sinon, on reste en duo, hein. En vrai, en double, c'est bon, hein. En double, ça marche pas, hein. Ça marchait, ça marchait. Voilà! Ça va se faire. De toute façon, il faut pas que je les pose pour l'instant parce que si mon stockage d'énergie est pas plein, lui, ils vont trouver jamais donc. Ouais, en fait, en gros, le problème c'est que le réacteur de lui-même ne se stoppe pas si jamais il est full énergie. Donc là, mon but c'est de lui dire un truc en gros en mode quand t'es au-dessus de 90%, tu t'arrêtes et si tu redescends en dessous de 20%, tu redémarres. Vu que ça consomme derrière, il n'est jamais full. Hein. En théorie. Bah si, parce que en fait, je produis plus que je ne consomme. Voilà, encore 4%. Donc là, il devrait s'éteindre. Ouais. Attends, il est setup le truc là.
Il est pas éteint, second. Et où il est pas éteint, second? Et connard, t'as alimenté en redstone? Bah oui, c'est clair. Il y a des agents, un truc, quoi. Pour m'énerver, hein. Est-ce qu'il va se rallumer tout seul, hein? Là, il se rallume. Ouais, mais il est toujours alimenté. Mais en fait, là, tu vois, je veux dire, là, en fait, il s'est toujours alimenté et du coup, ça l'a éteint, tu vois. Enfin, ça l'a rallumé quand même, tu vois. C'est ça qui est bizarre en fait. Bon, je vais plus mettre du 40% à côté quand même pour voir parce que si à chaque fois, faut attendre que ça remonte à 4000, à gonfler. Là, c'est bon. Là, on va dépasser les 20%. En fait, en toggle and pulse, ça va être pire. Ah non. Ah, ce serait vraiment toggle and pulse. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, dès que le signal se rallume. En fait, c'est que quand le signal s'allume, en fait, du coup, toggle and pulse, que ça le fait. Et donc là, à 40, ça devrait l'éteindre. Ça va repulse. C'est tout un bordel, hein. Ah, c'est plus simple create maintenant quand tu fais les trucs, ça marche. Putain, éteins-toi. Oui! Vas-y, 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 descends. Mais non! Mais putain, mais c'est de la merde! En fait, non, mais en fait, en triple, c'est de la merde. C'est, en fait, c'est quoi qu'il arrive, ça te fait le même truc qu'en double, quoi. En fait, c'est vu qu'il repulse, ce connard. Oui, il pulse d'ailleurs. Oui, si, il repulse parce qu'après, il est au-dessus de 40%. Mais en fait, vu que le signal s'éteint. Elle ralimente. Bon, je sais pas. En fait, le problème, c'est que ce con, il fait son machin, quoi qu'il arrive, en on, quand ça passe on ou quand ça passe off. En fait, quand le signal s'allume ou quand le signal s'éteint, à chaque fois, en fait, ça lui fait trigger son état. Et pas que quand le signal s'allume. Hein. Ce qui, du coup, pète les roubignoles. Hein. Non, un and, c'est quoi un and? Bah, c'est un animal ça? En fait, sinon, je crois qu'en fait, le problème, je crois que je me demande s'il n'y avait pas une sorte de cloque ou un truc comme ça que je faisais derrière, un bidouille. Parce que c'était pas juste collé comme ça, moi, ce que je faisais. C'était un peu plus chiadé, moi, le setup qui m'envoyait à HL. Après, en vrai, est-ce que c'est vraiment problématique qu'à chaque fois il se rallume et il se réteigne? Tu perds un tout petit peu d'efficacité de prod, mais pas longtemps en vrai, tu vois. En fait, le but c'est juste qu'il reste pas à 100% et qu'il produise pas dans le vent, tu vois. C'est-à-dire que si en fait, là encore ça parce que je tire beaucoup d'énergie. Ah non, justement, du coup. Ah, le problème c'est qu'en fait là tout ce temps là en fait il est pas efficace quoi. Moi ce que je fais c'est un stockage tellement gros que je le remplissais jamais. Ouais mais en fait là le truc c'est qu'en stockage d'énergie, bah j'ai rien quoi. Enfin si j'ai les capacitors, mais c'est pas vraiment un stockage d'énergie à proprement parler parce qu'en vrai si tu les remplis en 2 secondes. Après, est-ce qu'en mettant 4, ça change le problème?
Est-ce qu'en en mettant un ici qui est là pour allumer, un ici qui est là pour éteindre, sachant que... En fait, le truc, c'est que c'est pas en mode éteindre, en mode allumer, c'est juste on-off. Ouais, Draco, mais j'ai pas la ressource. En vrai, Draco, je sais pas ce que ça consommait. Bon, de toute façon, là, au vu de ce que ça fait, pour l'instant, limite, c'est presque plus rentable que juste y a rien et que ça produise en permanence. On va te dire. Mais en vrai, ça m'a consommé quoi? Ça m'a consommé 39 de Yellorium depuis le début. Là, on a 56 800 Yellorium. Faudrait voir si ce chiffre augmente ou si ce chiffre baisse. Sachant que maintenant que je produis plus d'énergie, je peux augmenter la consommation ici et du coup refaire en sorte que ma laser drill bah, marche mieux. Parce que la laser drill actuellement ici elle est bloquée quoi. Voilà. Bah, déjà, ça ira plus vite. Hein. Ouais, je peux aussi mettre plus de focus shallow pour avoir plus de Yellorium. Mais Draconique là. Il est où le bouquin? En fait, tant qu'il me faut pas d'awaken, c'est gratos. Et comment il faut de l'awaken? Il faut jamais d'awaken? Bon, ça m'intéresse cette histoire. Après, attends, les corps de merde là sur les côtés. Écoute quoi, il y a un monde où là je m'enjaille un petit peu trop vite. Ah, je les trouve pas. Hein. Faut pas m'énerver. Non, c'est pas ça. Hein. Ils sont où? Les Foucaudal! Parce que ça. Hein. Il faut que dalle non plus! Parce que j'ai tout en fait. J'ai peut-être pas de quoi en faire 300 et quelques comme pour le dernier tiers. En vrai, attends, là on a quoi en stockage? Juste qu'on compare. Là en stockage, on a de la merde. 1 milliard. Par raison. Marche très bien le truc à gauche. Bon, 1 milliard, c'est ça. Là, le tier 4, j'ai déjà plus de stockage. Là, j'ai 10 fois plus de stockage. Là, j'ai 60 fois plus de stockage. Il y a tout qui est pété. Là, j'ai 350 fois plus de stockage. Ça fait 350 milliards quand même. En vrai, 150 blocs de draconium, c'est ni plus ni moins que 150 Nether Star. Donc je relance un petit peu le spawner viteuf là. Moyennant quelques journées de molécular assembleur. C'est bon. Enfin de molécular transformer plutôt, mais. Parce qu'en fait si il faut rien d'autre que ces merdes sur les côtés. Putain non mais il faut le corps au milieu, mais 100% le corps il va me déglinguer tout le reste. Écoute vraiment. Ici, il faut juste ça, 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 pas ça. C'est du chargé de draconium ou c'est draconium normal? Non, il faut même pas d'awaken, il faut rien. Particule générateur. Énergie pylône, c'est quoi énergie pylône? Oh putain, je crois qu'il y a encore un truc. Mais non, c'est gratuit aussi! Il se met tout, eux.
Ah oui, c'est clé là. Ah, énergie pilote, c'est les in-out du truc en fait. C'est les deux trucs que tu fais en dessous là. Petit bruit de Weezer en boucle? Mais même pas, oui, mais Weezer, mais que dalle! Moi je fous. Regarde, 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 regarde. T'es en out. J'aime dire que là, avec les panneaux solaires dehors, méchant. Le réacteur, consomme plus? Ah, mais des têtes éteintes lui. Bien en fait. Voilà. Ah bah je préfère. Là ça me parle. En vrai je peux mettre une deuxième laser drill. Hein. Sachant que là on est de nuit ou de jour. Hein. Oui de nuit en plus. Parce que si je mets une deuxième laser drill hein, et genre full Ilorium. Hein. On a dit on était à combien Yellorium? On était à 56 800. Et là on vient de passer à 56 812. Donc en fait il n'y a même pas besoin, je produis plus que je ne consomme. Parce que certes je consomme 3 Yellorium par minute. Mais attends, après le réacteur il était éteint en fait. Attends, on va se calmer quand même. Le réacteur il tournait pas donc on va peut-être checker quand le réacteur il tourne. Ah mais il y a un monde où du coup bon attends, faut juste que j'aille relancer le réacteur, enfin le spawner. Prendre un petit cap d'énergie. Voilà. Bah, du coup, tu remarches. Niveau essence, de toute façon, ici on est quasiment full. Et niveau tête de Wither, on en a 128. Ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas assez. On va faire un calcul. Là on a 6470. Ah, attends, donc il faut 250 millions fois 100... Combien? Merde. Fois 150. En vrai la diff... Ah putain, après en vrai pour 218, genre pour 68 en plus, t'as quand même 5 fois plus, enfin t'as quand même genre 7 fois plus de stockage quoi. Donc en vrai on passe plutôt là-dessus tu vois. On passe plutôt là-dessus. Après oui ici au pire s'il faut j'ajoute, j'augmente un peu la puissance mais... Donc attends, donc 250 millions fois... On a dit 250 c'est ça? Pourquoi il marche pas ce truc? Attends on va faire un truc. On va faire... Voilà. Hop, c'est parti trop loin. Donc 218. Quoi, 218? Là déjà il me faut 54 milliards de U. Divisé par 6470. Divisé par 20. Divisé par 3600. Divisé par 24. Il me faut 5 jours. Si jamais on fait un seul Molecular Transformer. Et en vrai, je peux en faire deux. Il irait plus vite. Et j'aurais plus d'iridium de prod. Hein. Donc, soit il me faut 5 jours à cette vitesse-là, ce qui fait que ça nous amènerait. Donc, pour vendredi prochain, puisque mercredi je serai sur Silent Sky. Pour jeudi prochain, si on fait du modé. C'est long 5 jours et kill des Wither. Alors en fait si je vais kill des Wither à la main, le petit problème c'est que j'ai pas les... En fait là déjà j'ai pas les têtes de Wither pour les faire là-dedans. Là en fait actuellement c'est une tête de Wither, une Nether Star. Si je les fais à la main, il faut 3 fois plus de têtes de Wither. Mais faut voir d'ici demain combien de têtes de Wither ça m'aura sorti. Déjà on va faire celles-là, là déjà qui sont là, là machin. Et si j'en ai trop, de toute façon oui on va les fumer mais Après rien n'empêche là de prendre mon spawner là et d'aller fumer les Wither à la main en même temps hein, côté hein, et de les farmer hein, les Wither squelettes hein. J'ai un powerhead spawner donc
spawner à Wither Squelette. Bah j'ai un spawner à Wither Squelette en fait, mais en fait mon spawner à Wither Squelette, hein, qui est le seul d'ailleurs qui peut me spawn ça dans l'overworld, l'autre il marche plus vite mais il marche moins bien. Le souci c'est qu'en fait là, ça tue pas avec looting. Donc déjà, je vais avoir 3, si j'ai de la chance, voire 4 Wither Squelette qui vont spawn toutes les minutes. Et chaque Wither qui va mourir va avoir genre 3% de chance de dropper une tête. Hein. Donc je fais pas un schéma mais c'est pas dingue. Hein. Par contre si je prends le Powerhead Spawner qui est là, celui-là ouais, je me prends un petit transceiver, je prends un petit capacitor des familles. Il a pas fini son craft lui? Non en vrai il cancel le craft, hein. T'inquiète hein, parce que d'ici ce qu'il le finisse j'aurais fait Draconic Evolution donc y'a pas les spawns de Ragna qui spawn les mobs ultra vite? Non, y'a pas Apothesis. Non. Ah, t'inquiète pas que j'aurais déjà fait si y'a Apothesis. Hein. Enfin, je crois pas qu'il y a Apothesis. Non, y'a pas Apothesis. Non, là en fait, à niveau spawner, on a soit les spawners de Norayo qui ne spawnent pas du coup les Wither Squelettes dans l'Overworld, ils spawnent que dans Nezha. Et on a les spawners de Main Factory Reloaded, mais qui sont très lents. Et qui nécessitent en plus de la merde. Après, on a ces spawners là de RF Tool. Après c'est pas tant le spawn de Wither le problème en fait, c'est mon moyen de les tuer. Parce que j'ai pas looting dessus. Pour un killer Joe quoi. Non mais bon, on tue un peu à la main là. Parce que j'ai chié donc. T'inquiète pas hein. Je crois qu'il y a une couille dans mes fours. Pas balancé. Je crois que ça merdouille. Ah bah là-bas, c'est là-bas. Ah la couille c'est que c'est encore sur les crabes d'avant, ok. Voilà. J'ai le chance que le transceiver c'est le même crabe que pour ça. Un petit peu long à faire. Prends un petit peu de temps. Il y a une couille dans les fours, doit être bien chaude. Hein. Ouais, je regarde des coups au niveau des designs, qu'est-ce que je pourrais bidouiller pour mes réacteurs en 11 par 11 par watt milliard de haut là. Je sais pas s'il y a un simulateur à design. Je vois un tweet. C'est cool. Mais je sais pas s'il y a un petit simulateur à design pour les turbines. Aïe aïe aïe. Il y a Nuna qui a tweeté comme quoi. Qui a tweeté le nom de la convo Discord quoi. Bon, on va faire un petit retweet. Objectif, dépasser le niveau 10. Voilà. Alors. T'as dit que c'est bon. Je sais même pas s'il y a déjà un autre dit là-dedans en fait. Dans le doux, je vais pas le lâcher ici parce que ça va me faire spawn de la merde. Hein. Et transceiver, on est tout bon, ok. Donc, j'y vais dans le nether. Ouf, je vais dans le nether pour les spawn. En fait, si je l'ai fait à la main les Wither, après faire 250 Wither à la main, la flemme. Hein. Un peu la flemme. Hein. Après tu me diras que le grinder de Draconic Evolution, je peux les buter facilement. Le problème c'est qu'est-ce qui coûte. FF. FF, FF1. Non, bah ça va. Ça va. Ça va moins, mais ça va quand même. Ouais, c'est faisable. Hein. Le problème, c'est que le temps de tout préparer, je les aurais tués à la main, je pense. En fait, là, ça fait déjà 5 Nether Stars cramés. Juste là, 1 Nether Star, ça fait déjà 6 Nether Stars claqués pour rien, quoi. Juste me faire chier à aller faire de la féerie du Pokémon, là, et puis. Ouais, non, on piche. Où c'est qu'on s'installe pour les zigouiller, les meubles hein. Une petite plateforme tranquille, pépouze. Et pas trop. Ouais, c'est peut-être un peu petit ici.
coup, t'as pas trop de mobs qui font chier en fait. Putain, mais ma peur, elle a vraiment zigouillé la. Bah attends, en vrai, c'est parfait ça pour faire spawn du meuble. Hein. Tu connais ça. Tout ce qu'il faut pour s'installer, ça ici. Mais d'ailleurs, en fait, j'y pense, j'ai pas de draconium moi aussi. Peut-être faudra que j'aille en miner un petit peu du coup. Ouais, bon, je fasse un peu la chasse au draconium. Mais dans le nether, il y en a plein, pas dans la nuit. Dis fantomètre, comment ça va? Allô? C'est vrai que j'ai de la merde pour les tuer par contre. Enfin, je suis pas très bien stuff pour tuer les mobs. J'ai oublié qu'on pouvait spam click aussi. Bon, déjà une tête. Deux têtes. Trois têtes. C'est peut-être plus rapide que mon spawner en fait. Hein. Putain. Arrêtez! Oui, non, ma distance. Oh, vous savez ce qu'on va mettre? On met des toiles portales, je pense. Hein. Par ailleurs, hein, pour zigouiller les squelettes. Hein. Bien, toi, ça va? Superbe, écoute. Hein. Qu'est-ce qu'il m'envoie à WAF là? Bon, je dirais après. Déjà, si je l'ai fait au Molecular Transformer, il faut déjà 250 têtes quoi. Donc là, actuellement j'en ai 128. Hein. Et il faudrait que je les mette, je pense, dans les deux réacteurs, enfin dans les deux trucs là. Ou alors j'attends. Alors je laisse l'iridium se faire et il faut juste que je prenne de temps en temps à rajouter des panneaux solaires. Quoi. Et là, il me faudrait 4 stacks d'iridium au moins avant de pouvoir faire un truc intéressant. Donc j'aime pas se faire tout seul quoi. Oui, non mais déjà là ça spawn beaucoup plus de mobs hein. Mais en fait, et surtout que j'ai un cleaver hein, qui a genre les git 30% de chance de dropper une tête de wither à chaque fois que je tiens wither avec, donc je peux même avoir plusieurs têtes de wither par wither en fait hein, pour dire la débilité et trucs hein. Parce que je pense que le looting et le beading sont deux stats différentes hein. Enfin en fait c'est deux trucs qui se calculent différemment. Pas mis sur le même pourcentage en fait. J'ai genre 8% avec le looting, je pense, et plus 20% avec le beading. Si ce n'est même 50%, je crois. Je sais pas. Au secours! Ouais, faudrait peut-être que je vire les items que j'ai dans la tronche. Ça pourrait être une bonne chose. Gros, c'est ton veille d'épée là. Mais je pensais, en fait, c'est que du coup, j'ai jamais pensé à faire le réacteur plus tôt parce que je pensais que c'était cher. Après, ça a quand même demandé de faire hein, accessoirement 250 tomium. Hein. Donc, Tomcraft, voilà. Ça me demandait de faire 250 panastiles, ça c'est ok. Ça me demandait de faire 250 vibrantes, ça c'est ok. 250 flux, ça devrait être bon aussi. Non, je pense, niveau. C'est surtout les Nether Stars qui vont être longues à produire. Surtout ça. Putain, mais le squelette il a. Le squelette qui a équipé la tête de Wither, mais non. Arrêtez! Hein? Comment ça vous. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vous envoyez les dégâts ou c'est une impression? Attends, je me suis fait éclater par un truc là. Là il m'a renvoyé mes dégâts, je crois. Ça c'était bien. Le Warped, il est comme zéro. Hein. Oui. Pourquoi je prends si cher? J'ai plus d'énergie! Ouais, tcha mon pote, hein! Bah, chez ma vie en fait, mais je pensais que c'était le mob qui m'avait déglingué, mais en fait, non, c'est juste que j'ai plus d'énergie. On va aller recharger ça tout ça tranquillou. De toute façon, ça devrait pas spawner normalement, donc je suis pas à côté. C'est pas grave que j'ai pas désactivé le truc. Hein. Ça devrait pas être dangereux. Ça devrait pas. Hmm.
Et niveau draconique, on a quoi? Oh, on a que dalle. Vas-y, m'en fout 2500. Pas gagné. Pas gagné, mon pote. C'est possible d'utiliser la Wi-Fi et la 4G pour booster ta co? Utiliser deux en même temps, ça m'étonnerait. Après, si ta 4G est meilleure que ta Wi-Fi, tu délectes les Wi-Fi, mais. Si c'est ça, mais. Total, la Wi-Fi prendra le dessus sur la 4G. Ouais. Oui, si t'as les deux activés en même temps, en fait ça booste pas les deux en même temps. C'est quoi qu'il arrive, la Wi-Fi prendra par dessus et ça t'utilisera pas les données mobiles, mais. Je pense que t'as un moyen de combiner les deux, tu vois. Pour de tirer à la fois tes données mobiles et puis du réseau Wi-Fi et de ta Wi-Fi, quoi. Ça serait banger en vrai, mais. Ah, ça serait banger, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui se feraient niquer là-dessus et qui claqueraient leur. Enfin, faudrait pas que ce soit activé de base, quoi. J'aime pas comment ça serait gérable. Au niveau du réseau, ce serait le bordel quoi. Oui, c'est pour ça. Et si dans le meilleur des mondes c'est faisable, ça serait incroyable. Putain, ça me fait penser, il faut que je vote. Hop. Voilà. Oh, ça fait 33 têtes en plus hein. Parce qu'après en fait le stockage d'énergie il est pas modulable je pense avec Draconic Evolution. Et si tu veux l'upgrade comment ça se passe quoi. Genre tu perds toute ton énergie d'un coup quoi. Parce que là ouais, c'est Nether Star ou pas hein. Et où le filtre? Il y a dedans le filtre. J'ai mis où le filtre ici? Ah, le filtre, j'ai mis sur l'extract ici. Ah oui, non, mais là-bas aussi, je suis con. Donc là, blacklist Nether Star. Ici, whitelist Nether Star, c'est ça. Ouais. En vrai. Ouais, je vais juste faire ça en attendant, je pense. Hein. Tu sais qu'au Maroc c'est faisable, je me suis fait niquer à cause de ça. Mais en fait, je pense pas qu'au Maroc c'est faisable. Ça se trouve, c'est juste que ta Wi-Fi est sautée de temps en temps au Maroc et du coup, tu te fais tirer tes données mobiles, mais. Je sais pas pourquoi c'est faisable au Maroc et pas ici, tu vois. Et pourquoi on a plus d'énergie? Pourquoi c'est la merde? C'est nuit? Ah non, on est bon. Ah, mais ça veut dire que du coup, en fait, il préfère tirer en prio de mon réacteur plutôt qu'ici. Ouf. Ça arrange. Et tu fais voir Yellorium. On était pas à 812. Wow. Du plus histoire. Alors est-ce qu'on considère pas qu'on a déjà assez d'uranium pendant un petit moment et que du coup je mets full focus yellow pour se concentrer sur le Yellorium? Ça marche en tomate. À la prochaine. Passez une bonne journée. J'essaie de voir comment je peux booster ma prod de Hylorium, mais c'est pas gagné. Ou alors, faudrait que je nerf ma conso ici, mais. En fait, d'un côté, ils consomment pas tant que ça en vrai, hein, vraiment. C'est juste que bah, je produis pas autant, quoi. La production est surtout un peu hasardeuse. Hein. Après, bon, là, j'ai plein de machines, je crois, qui tournent en même temps et tout, mais c'est un peu le bordel. Hein. Donc.
tue peut-être plus en fait. Il y a ça qui se réalimente encore un petit peu, donc là ça tire. Là ça a fini, donc c'est bon. Il y a rien qui est en craft là de toute façon. Non. Le problème c'est que la nuit je perds trop d'énergie. En fait je pense que si je mets une deuxième laser drill à côté, c'est un peu le bordel. Ou sinon faudrait que je mette juste ouais ici si, que je mette une deuxième laser drill à côté, mais que je l'alimente, je reste alimenté là dessus. Et que je bride un petit peu l'alimentation. À la rigueur. Par contre putain si je veux mettre une deuxième laser drill, ça veut dire qu'en fait il faut que je recreuse jusqu'à la bedrock. Que du coup je regère le problème du pétrole. Parce qu'il y a du pétrole en dessous. Ça c'est la merde. Non mais déjà je vais tester en full yellow. Ça devrait peut-être continuer quand même à me donner encore un petit peu de uranium, mais rien n'est moins sûr. Voilà. Et à la peine. Au pire, je fais une autre laser drill à côté qui elle est focus sur le yellorium et je l'alimente moins fort. J'alimente genre à 5000 rêves parties, un petit peu juste histoire d'avoir un peu d'uranium. Mais l'uranium en soi, j'en ai quand même pas mal qui arrive depuis la query donc. Bon. Comme dit, déjà le temps de traiter les 4000 et quelques qui sont là. On va dire. On a le temps. Parce que les rods il m'en faudra pas tant que ça, je pense. Il me reste combien de plutonium là? J'ai claqué combien de plutonium? J'en avais 3000 et quelques, j'en ai 2000. Sachant qu'il y a toutes les rods qui sont en train de se faire derrière qui vont en refaire plein. Bedrockium j'en ai déjà un petit peu si jamais j'en ai besoin pour des crafts. Ouais, on est. Oups! Pas trop mal, je pense. Pas trop mal. Un petit peu en flux tendu, on va dire, mais. Garder une lens verte. Non, mais déjà, je vais voir combien ça produit avec full truc en yellow comme ça. Et on verra après. Tiens, ça m'a pensé à les bébés. Hein. Ouais, bébé, moi. En fait, sinon, il faudrait un truc qui passe la nuit en permanence. Il y a un truc de Draconic Evolution pour ça. Et ça ferait peut-être chier si jamais ma peur a besoin de la nuit, tu vois. Je sais plus à quoi ressemblait la machine à l'époque. Ah, non. Ça, non. Peut-être le Sun Dial, tu me diras. En fait, t'as le Weather Controller. En fait, mais après, c'était une machine qui faisait tout le monde. Ouais, bah, ciao, mon pote. Oui, en fait, le Celestial Manipulator, c'était le truc qui est arrivé après qui faisait tout en même temps. Mais avant, tu pouvais gérer la météo avec ça, tu pouvais gérer le jour avec ça, tu vois, etc. En fait, je pense. C'était split, en fait, ça a été tout différent. Mais quoi qu'il arrive, hein, quand tu vois le craft, de toute façon, aussi, il faut. Alors, Resident Resident en 3-3. Hein. Resident Resident en 3-3. Bah, vas-y. Hein. Vas-y, ma cocotte. Hein. Approche de la fin. Roll effect. HL. Ouais, HL en fait on avait un problème. C'est faire le on-off de ce réacteur de mort. C'est faire en sorte que quand il est au-dessus de 90% il s'arrête et quand il est en dessous il s'allume quoi. Bon. Un peu le souci qu'on avait quoi. Et qui veut lui? T'as trouvé? Non. Enfin, en fait, hein, j'étais passé par des redstone portes hein, où du coup, tu sais, bah, ça envoie un signal de redstone quand c'est au-dessus de 90% pour que ça le coupe, tu vois. Et après, pour le rallumer quand il est genre en dessous de 20%, en fait, ça faisait de la merde parce que il se coupait bien quand il allait au-dessus de 90%, mais du coup, il se rallumait quand il repassait en dessous de 90% parce que du coup, le signal de redstone se réteignait. En fait, hein. C'était. Parce qu'en fait, hein, le redstone port était trigger
quand le signal de redstone s'allume et quand le signal de redstone s'éteint. Donc en fait, il éteignait le réacteur quand le signal de redstone s'allumait, il rallumerait le signal de réacteur quand le signal de redstone s'éteignait. Et en fait, bah, ça faisait que de dépasser 90, ça s'éteignait, ça descendait en dessous, ça se rallumait, ça dépassait au-dessus, ça se machin. Et en fait, bah, c'est chiant, parce que ça on-off en permanence et tu produis moins que ce que tu devrais, quoi. Donc, chiant. Tiens, un flip-flop avec un piston. Mais je sais plus si on avait pas fait ça, je sais plus. Je crois qu'en fait on avait un truc à côté qui bidouille, mais je sais plus exactement comment ça marchait. Et c'est Clémothèque, enfin, ça va. Bon, Clémothèque, il y a un monde où avec Mouna on va faire du hardcore sur WoW, mais comment dire, Bomba sur WoW c'est quelque chose, et Mouna elle a jamais joué à classique. C'est pas gagné. Du coup t'as bien deux ports. Bah j'ai testé avec deux, j'ai testé avec trois, ça foutait de la merde. Bon. Va te faire foutre. Réglez tes questions. Attends, hey, j'ai pas eu. Vas-y, je cherche un mode pack pas trop grand mais assez complet quand même pour jouer avec mon pote. Tu en as un à conseiller. Ça dépend ce que t'appelles pas trop grand. Ragnar 5 était bien. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop grand pour toi, tu vois. J'sais pas. Et ouais, on va déjà tester avec 2 et avec 3. Avec 3, je me suis dit peut-être que bah, du coup j'en mets un genre qui gère le haut du 90% et un qui fait que ça redéclenche quand c'est en dessous de 20%. Mais genre dans les 100-150 modes, hein. Allez, 150 modes, t'auras jamais un attack complet en fait. Hein. Bon, ça. Pas trop grand, Ragna 5 c'est long. Ouais, mais Ragna 5 c'est pas énorme comme pack en termes de modes dedans. Je sais plus, il y a combien de modes sur Ragna 5. Ragna mode 5. Il y a 260 modes, tu vois, c'est pas grand. Correct. C'est le 24 de Savagulk. Nice. Mais ouais, ce truc là j'arrive pas à... 150 modes c'est des vanilla plus. Ouais, 150 modes en fait, le truc c'est qu'il y a toutes les modes de librairie etc à côté qui servent juste à pouvoir lancer des modes qui t'intéressent, bah... Un peu la merde. Et ouais, je sais pas comment faire pour cette histoire de réacteur là. Au clair. C'est pour clair cette histoire. Cent minutes de playette, j'ai commencé avant hier soir. Et quoi avant là, au niveau des machines? Le draconium, mais j'avais pas un truc que je voulais attendre en attendant, je sais plus. Farmer du Wither. Ouais, je crois qu'on voulait juste y retourner en fait. Hein. Ça m'a refait des têtes ou pas? Non, ça m'a refait des têtes. Non. Parce qu'après, moi, les modpacks trop grands, je veux dire, c'est peut-être les modpacks qui ont genre 350 plus en termes de mode. 300 modes, c'est quand même déjà beaucoup aussi. Et en dessous de 200, bon, là, tu vois, on a 207 modes. Hein, et t'as pas tant de modes que ça. Et encore à l'époque, t'avais moins de modes librairie à la con à côté, quoi. Mais tu vois, là, on a 200 modes, on n'a pas du mécanisme, on n'a pas toujours de choses, alors que ça existait quand même déjà à l'époque, tu vois. Donc, Donc bon. J'ai pas dit que c'était grand, j'ai dit que c'était long. Ragna 5 c'est pas long comme modpack. Enfin c'est genre durée normale quoi. Bon, comparé à un pack avec Greg Tech et toute la clique, toujours de trucs à la con, Ragna 5 ça va, c'est chill. Hein. La progression est vachement cool sur Ragna 5. Hein. Y'a trop de squelettes. Oui. Il veut pas se buter entre eux les squelettes hein. Sur un malentendu là. Fuck Greg Tech. Bah Greg Tech c'est sympa mais à petite dose quoi. Disons quand tout le pack tourne autour on piche hein. L'émission de la zone pirate, horrible à faire mais voilà Aranta. T'as des missions là-bas? Ouais. Il crève! Il est soulevé dans tous les sens. Putain, c'est lui qui m'a buté mon... Il m'a buté mon Wither.
Retard. Rotary Craft, c'est trop bien comme mode. Hein. C'est quoi Rotary Craft? Attends, Rotary Craft, c'est pas la suite. Ah non, je confonds avec Tekriborn. Je suis quoi Rotary Craft déjà? C'est chiant qu'il y ait des squelettes qui puissent spawn avec les wither squelettes en vrai, tu vois. En fait ça c'est l'avantage du mob spawner de Manufactory Reloaded. C'est que tu peux juste faire spawn exactement ce que tu veux quoi. Là bah vu que le tag c'est des squelettes, bah tu peux faire spawn des squelettes avec quoi. Il y a giga réacteur nucléaire hein. Ah ouais. Je sais plus si j'ai fait du Rotary Craft. Le nom me dit quelque chose en fait, mais j'arrive pas à me souvenir d'où. Ouais, même fait t'aurais reloadé, tu spawns pas, tu duplies quoi. Il était sur un FTP, il me semble. Hein. Tu confonds pas avec Nuclear Craft? Je me souviens de Rotary Craft. Faudrait que j'aille voir sur internet quoi ça ressemble. Je vais faire ça quand j'ai rechargé mon armure. Ce qui va arriver incessamment sous peu. On aurait eu moins de têtes que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure on en a eu 32 je crois. Pour la même durée d'armure. Hein. Là, mon armure elle commence vraiment à me dernier là. En fait je sais pas si c'est des squelettes ou si c'est des wizards squelettes qui me la dégringue l'armure. Je pense qu'au vu des patates que je prends quand j'ai plus d'armure c'est les wizards. Mais... Et je prends plus de coups des squelettes en fait, c'est pour ça. Il y a ça aussi. Aïe. Bon en vrai, oh putain. J'allais dire, j'ai plus d'armure, no shit. Bah faut que je descende pendant ça du coup. Alors, question c'est comment je descends. Surtout que je descende, désactiver le spawner, me barrer et que ça despawn quoi. Je crois pas que ça despawn. Bon. Putain, je suis dans du cul. Je suis coincé là. À l'aide. Bon, qu'on remonte. Oh, j'ai envie de canner. Un bloc là. Il y a un bloc là. Un bloc là. La main, je crois. Et bonheur. Et bonheur d'avoir fait une salle de merde. En vrai, là, ça passe là pour sauter là-dessus. Ah bon. Et tiens, mon pote. Donc, il faut de la bouffe. Pas de toast. Et steak au moins. Et steak. On va prendre des blocs, déjà, si jamais je retombe. Peut-être prendre une armure en vrai. Ouais, c'est sympa.
Vous allez voir les armures qui traînent sympa là-bas là. Juste histoire de pas me faire one shot par le premier truc qui passe quoi. Et quoi là-dedans? Et on aura du choix en vrai là. Protection 1, c'est de la merde. Protection 2, vas-y je prends. Poitiers protection, je prends. Protection 3, bah attends, je prends à la place en vrai, c'est mieux ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oh, un casque, là, mais y a pas de bon casque. En fait, c'est rare les casques qu'on a sur les mobs. Ok, protection 4. Protection 2, tu pars. Oh, un fut. Hein. Un foot. Celui-là qui est pas mal. Pourquoi des bottes aussi? Protection 2, c'est bien. Les orphelins seraient judicieux, mais de toute façon, vu la. Ouais, non, je suis rien. Non, bah go comme ça. Hein. Merde, mais j'ai pris un pantalon, c'est un torse, c'est une fois en fait. Un resque, un torse en maille protection 1 est pas moins bien qu'un torse en iron. Je pense. Hein. Ah, c'est quoi ça? Bon, allez, hein. J'ai vendu, on est parti. Sinon, je pourrais cancel l'alimentation en énergie d'ici. Et ça me cancellerait l'alimentation en énergie de toutes les machines. Hein. Dont mon applied. C'est peut-être pas conseillé. Donc, ouais. Peut-être prendre une pioche, non? Peut-être essayer de prendre une pioche et casser le spawner en fait. C'est réalisable. Hein. Je vais mourir 10 fois sur place. J'ai tapé au steak. Non, mais de toute façon, je pense que là, au corps à corps, quoi qu'il arrive, je me fais enculer. Donc, peu importe avec quoi je tape, ça poche rien grand chose. Si. Bon, une soirée, non, mais. Pas celle-là, du coup, parce qu'elle a pas de dura, mais. Un truc qui tape là-dedans là. Tape là. Tu vois que j'avais vendu toutes mes queues de taupe et pince alors qu'il m'en faut pour le prochain rang. Chet. Bon, après avec la thune que tu t'es faite, tu peux les racheter mais. Bon, déjà on essaie de pas prendre feu avant d'arriver sur place. Première étape. On va vivre. Deuxième étape. Analyser la situation. La situation me dit. C'est la merde, mon ref. Hein. Oh, la situation me dit. Elle est tombée en hauteur. Très mauvais. Au moins je peux fly en vrai. Ok, j'ai le spawn désactivé. Tu peux dégager toi là? Crève! Alors. Rends mon fut! Donne mon pantalon, culé! Bon. En vrai, je suis peut-être mieux sans le pantalon qu'avec. Mais un détail. Ouais, FF. Hein. Trop de doute. Hein. Alors. Oula. Là-dedans, on a quoi de beau? De la merde. Il manque un tank à oxygène. Enfin, en fait, vu que j'ai le magnet, ça a tout le temps de donner de la bitouille. Merde. Dans ma tank. Je crois que c'est bon. Hein. Bon, faut que je récupère ça, mais sinon, je crois que c'est bon. Hein. Parce que j'ai mon truc. Et ma. Fais pas le stuff, toi.
ma pioche, ma tablette, j'ai ma bouffe, ma pelle, mon truc d'ici, j'ai mon bag, j'ai mon tank. Ouais, c'est ok hein. Non, je crois que c'est bon. On va récupérer ça peut-être. Bon, quoi, tu me diras, il est en off, donc en vrai, je peux le laisser. Je peux le laisser, je peux le laisser. Ok. Ok, l'aventure quoi. Aïe. De toute façon, en vrai, tant que j'ai mon armure, etc., c'est le plus important, j'ai envie de dire, mais. J'ai l'impression vraiment d'avoir slowness quand je quand j'ai plus sprint. Hein. Est-ce qu'on peut voir ce réacteur hein? Tu veux que je te montre quoi du réacteur? Ah là, le réacteur, j'ai plus les redstone contre. Attends, je vais juste remettre de l'énergie dans mon pantalon parce que. J'ai l'impression de faire du surplace là. Il marche ça Tyson Port ou pas? Bah non il marche pas je t'ai dit. Enfin il marche pas comme il faudrait. Et là ils sont même pas mis de toute façon les Redstone Port donc quoi qu'il arrive ça change rien. Et ça on t'a dit depuis tout à l'heure que ça marchait pas. Et qu'on a essayé avec différents trucs Parce qu'en gros on a testé différents trucs en fait. Shit. Une source de cryo. C'est où celle-là? C'est là ou c'est à côté? Ah c'était là, ok. Il y a une grosse boule draco comme ça ton réacteur est jamais full. Non mais c'est ce qui est prévu mais pour l'instant j'ai pas les ressources. C'est pour ça que je ferme les Nether Star. C'est pour ça que je ferme les Nether Star. En fait en gros actuellement donc lui je le mets comme ça. Lui si je le mets, en fait lui par exemple si je le mets en actif on va mettre 50%. En gros, qui s'active quand je suis à plus de 50% d'énergie. Bon, le souci, c'est que j'ai jamais d'énergie donc. Parce qu'il est éteint. En vrai, je vais juste virer 2 secondes. Il fait nuit ou pas? Mais en fait, le problème, c'est que quand je vais dépasser les 50%, ça va activer le signe de redstone. Donc ça va éteindre mon réacteur. Et en fait, quand je vais redescendre sous les 50%, mon signe de redstone du coup va s'éteindre, ce qui est normal. Mais le problème, c'est que en s'éteignant, il me rallume le réacteur. Plutôt qu'attendre qu'il se vide bien, complet ou quoi. En fait, et du coup, il va juste faire entre 49 et 51%, il va faire le yo-yo quoi. Donc ça, c'est un peu chiant. Il y a bien un truc qui fait que ça monte jusqu'à 90% et qu'après ça redescend jusqu'à 20% tant que c'est vite quoi. Sinon en 7 signal avec un NAND sur les deux ports 20 et 80, c'est quoi un NAND? Je pense qu'une cloque avec piston fait l'affaire. En fait je sais pas. Parce qu'en fait faut pas que le signal s'éteigne. Enfin je sais pas ce que je veux dire. En même temps, si c'est un jamais, il sera jamais bon. Arrête, sinon plutôt que l'éteindre, ça descend les rods, mais ça changera rien quoi. Parce que du coup, while on. En fait c'est pareil, ça veut juste faire le yo-yo tu vois.
Bouton au milieu, j'ai juste ça quoi. Ah, après j'ai insert on pulse, retract on pulse ou set on pulse. T'en fais un qui détecte à 90% et t'en fais un autre à 10%, tu fais une porte logique pour activer ou non. Bah, en fait, tout à l'heure j'en avais un justement qui était genre là à 10%, l'autre qui était genre là à je sais pas combien. En fait, faut juste que je vous montre comment. Le problème sera plus simple à comprendre. Donc là, je vais mettre en gros. Là, actuellement, en fait, le truc c'est un mode, tu t'éteins quand t'as le truc. Et par exemple, si jamais c'est au-dessus de 50%, c'est actif. Donc là, on va arriver à 50%. Et vous allez voir. Putain, mais ce con, il monte. Attends, est-ce qu'il s'est allumé déjà au moins? Ouais, il s'est allumé, mais là, il s'éteint pas. Là déjà il devrait s'éteindre, mais il s'éteint pas, déjà là c'est chelou. Je vais faire ça. Après il est éteint. Et là il va descendre sous les 50%, il va se rallumer. Non plus. Putain. Il me refait pas le truc de tout à l'heure. Hein. Alors c'est parce que je l'avais pas rallumé à la main avant. Il faisait un truc chelou tout à l'heure, mais là il fait rien du tout en fait, là il s'éteint même pas alors qu'il devrait. C'est encore pire. C'est encore pire. Non mais c'est space. Et puis évidemment du coup il n'y a plus d'énergie. Nick. Là il va se rallumer. Le ratson est bien allumé en fait, hein. Il est sympa. Lance le pack. Ah, attends, on va refaire ce qu'on avait fait. Après, attends, peut-être que je l'ai mis en toggle and pulse. En fait, en toggle and pulse, ce souci. Bon, c'est que là du coup il toggle pas parce que là du coup il est plus pulse. Mais là il s'éteint. Ah, d'accord. Ah putain, mais du coup il se vide pas en énergie, connard. Pas de problème, toi. Là il devrait se rallumer. En fait, dès qu'il va dépasser les 50, il va s'éteindre, il va se rallumer, il va s'éteindre, il va se rallumer. En fait, il va faire ça en permanence, tu vois. Mais moi, j'aurais juste un truc où quand il arrive en haut, il s'éteigne, quand il arrive en bas, il se rallume. Mais pas juste qu'il oscille autour de la valeur que je lui donne, tu vois. Et je pense que le truc, c'est que plutôt que de l'éteindre et de le rallumer, il faudrait jouer sur l'insertion des rods hein, et les foutre à 99% d'insertion quand tu veux, entre guillemets, l'éteindre. Hein. Et le remettre à l'insertion où t'es, en fait, quand tu veux. Genre. Ouais, je viens de voir ton lien, mais après, en fait, là, faut pas oublier que ton lien, on est quand même sur une version qui est beaucoup plus récente, parce qu'on est sur du 1.19. Donc, est-ce que ça marche de la même façon? J'ai un gros doute. Pourquoi il s'éteint plus, du coup? Bah, si là, il s'éteint, il va redescendre, il se rallume, après, il remonte, il se réteint. Et en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, on en est on-off en permanence. Au lieu de produire du 25 000 RF,
bah il va en produire généralement que du 19 mint comme ça quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Ça je veux pas. Ça je veux pas. Mais si je fais ça et qu'à la place. Hein... Mais 100%, il a 29. Qu'est-ce que ça a changé? Oh, il est... Neuf par neuf avec ça, ouais. Neuf par neuf extérieur et en road j'ai mis une au centre et ça là. Et j'en ai mis. En fait, il y en a 9 au total. Il y en a une au centre et après dans les diagonales ici. Il modifie pas mes routes, ce cul-là. Après, si en fait c'est deux. Non, il me les bouge pas mes rods là. C'est Reactor Craft qui est un réacteur de folie. Reactor Craft. Reactor Craft. Ah oui, putain. La Reactor Craft, ça fait presque penser un peu à du Greg Tech en vrai. Si je change la station, le réacteur va quand même consommer du combustible. En fait, il en consommera quasiment pas. Si t'es à 99%, il consommera genre bah beaucoup moins de combustible. Il continuera à produire, mais à toute petite dose. En fait, c'est comme s'il serait éteint, tu vois. Mais est-ce que c'est une solution qui change quelque chose? Je sais pas. Mais attends, faut que je vois la vidéo. Bon, en fait, c'est que c'est même pas le même mode. Hein. Donc, oui, non, la vidéo, en fait, ça me sert à rien, tu vois. C'est même pas du tout la même interface ni le même mode dedans, donc. Après, c'est plus pour la montrer comment la cloque marche à l'arrière, mais. Puis en fait, je peux même pas le mettre au-dessus parce que moi, mes réacteurs portes, ils fonctionnent pas au-dessus. Je vais le mettre devant. Ça va modifier un peu le truc, mais. Non mais je pense pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Si par miracle la HL trouve une solution, bah tant mieux. Après attends, est-ce que sans redstone ils font pas déjà leur truc en fait? Et du coup je suis en train de m'auto-deny hein. Est-ce que quand ils sont collés côte à côte ils fonctionnent déjà pas ensemble hein? Faut que ça arrive à monter là. Vu qu'ils envoient de la redstone à gauche, à droite et devant, derrière. Ça se trouve, c'est ça qui me fucked up depuis le début. Hein. Non, c'est pas ça parce que c'est sympa là du coup. Et oui, il est allumé sur les côtés. Donc je suis en mode, ça se trouve, à tout moment. Mais attends, je l'ai pas commit. Attends, est-ce que du coup ça l'éteindrait? Oh. C'est ça le problème en fait depuis le début du coup. Oh. En fait, tes problèmes, c'est peut-être qu'ils sont collés. Peut-être l'un de mes soucis depuis le début. Et qu'en fait, du coup, j'ai un double signal de redstone qui s'auto-deny. Attends, peut-être changer du coup. Bah, alors, sinon, en vrai, j'en mets deux. En fait, je pense que la solution est tout trouvée, hein, du coup. Attendez. Je vais refaire un autre port.
Non, c'est pas ça. Ça va être sombre. Non, j'ai plus de teasing. Dehors des vitres là. Peut-être 100% le problème depuis le début, c'est juste que je les colle comme un con quoi. Donc là, imaginons que j'en ai un. Le cut, 50%. Ouais, le above. Ça. Off. Et là. While below, on va dire genre 20% pour le test là. Le on. Hein. Là en théorie. Ensuite il m'a rien mûlé. Après est-ce que ça marche pas peut-être tant que c'est pour allumer? C'est nickel, à 50% il s'est éteint. Oui mais du coup faut que j'en mette un autre qui rallume en fait. Après c'est vrai que je pourrais peut-être les coller les deux sur le même truc. Plutôt qu'en faire 40. Ouais, c'est qu'en fait, c'est vrai que du coup, j'aurais peut-être pu y laisser. Ouais, tu me diras, j'aurais pu en fait, là j'en ai fait 3-4, mais j'aurais pu les laisser tous sur le même truc au milieu en fait. Le milieu il gère le on-off et à gauche ça allume et à droite ça éteint, tu vois. Parce qu'en fait, là du coup, il y en a un qui. Oui, attends, faut peut-être que je fasse ça du coup. Faut que. Ouais, attends. Ouais. On va remettre comme c'était encore avant. Allumer ce con ou pas? Je comprends pas, quand tu regardes sur les forums, toutes les personnes recommandent d'utiliser le power monitor de Rayo à la place de la redstone. Hein. Ça? Ah, c'est peut-être après un truc que tu peux coller à ton réacteur qui te recheck l'énergie qu'il y a dedans et qu'en fait il te fait pour le coup ce qu'il faut. Ouais, on peut tester avec ça aussi après. Hein. Attends, déjà je vais voir si ma bille de merdouille elle marche là. Peut-être mettre moins que 5 ans. 30. En fait, là il y a un monde où quand je dépasse les 20, ça s'éteint. Chier. Et si c'est ça, faut que je le mette en pulse. Bon. Arrête l'énergie. Pour l'instant c'est bon. Mais du coup derrière il s'est éteint correctement, théorie. Ouais. Et donc là, arrivé à 30, ça devrait éteindre le réacteur. Devrait. Ça va le faire. Ah mais oh, ça fait un peu plus que 30 normalement sur 32. Petite couille là. Couille dans le potage là. Ah là du coup. À la place là. Ah là il s'est éteint comme il faut du coup. Peut-être qu'en fait il était pas bien setup. Et est-ce qu'il se rallume en dessous de 20? Par pitié fais-le. Attends mais pas toujours faire la même chose, les versions passent et pas grand chose change, sauf qu'à chaque fois sur un autre modpack on commence en faisant la même chose à chaque fois. Bah ça m'en met moins que jouer en vanilla parce qu'en vanilla pour le coup les versions elles changent et y a rien qui change sur le jeu donc là au moins à chaque fois je fais jamais les mêmes trucs. Bah, ce qui m'emmerde c'est de jouer en vanilla pour le coup mais... Quelles sont les autres options dans la Redstone Port hein? Enfin, je crois que les options c'est qu'on va pas utiliser ça hein. Non mais tout à l'heure ça a marché et là ça marche plus. Je capte pas. Si je mets en pulse. En pulse. En pulse, ça change un truc.
Franchement, on va tester toutes les combinaisons possibles. Ouais, peut-être, Gutek. En tout cas, pour l'instant, il marche, donc faut voir. Ah, il marche pas en fait, parce que attends, normalement c'est 30% que j'ai mis là. D'accord. Ah, d'accord, qu'il y a plus de pulse. Alors, est-ce qu'il faut quand même de la redstone hein? La bande chef, cette histoire. En fait, je pense que s'ils sont collés ensemble, ils se taudinaillent. Hein. Peut-être. Hein. Et puis, vu qu'il est en on et lui en off, ça se contredit, je sais pas. Hein. En fait, normalement, le Dragon on Pulse, et quand ça pulse la redstone, ça fait un truc. Là, il y a pulse la redstone, t'as rien fait. Ça pulse, ça fait que dalle. Regarde le pouvoir monitor, comment ça marche cette merde. Sorte un peu de cette boucle infernale de ce truc là. Chèvre. Power monitor, qu'est-ce qu'il nous faut? Tout. Très bien. Il y a 4 portes qui arrivent. Ah ouais. Ah vas-y balance hein. Bah, je vais devenir chèvre sinon. Bon, monitor ça marchait par rapport à la réserve d'Andorayo, donc usez dans ton cas vu que tu veux passer sur Draco. Non mais je pense qu'avec 4 comme j'étais c'était pas mal mais est-ce qu'il faut que je les split ou que je les colle hein. Aïe. Je sais pas. Parce qu'en fait après peut-être que c'est 4 mais du coup faut pas que je passe par le on off mais que je passe par l'insert et le retract. Niveau des rods, faut voir. Output energy amount while below 10% redstone. Même collé. Hein? Et les 4 sont côte à côte? Ah non. Ça va faire de la merde ça. Tu peux, ils réagissent pas entre eux. Ah ouais? Ah moi tout à l'heure il a réagi en fait. Ils ont réagi ensemble en fait, c'est pour ça que je comprends pas. Ça c'était pas clair. Après ils ont réagi qu'une fois, après ils ont plus réagi mais... Dans le doute. Dans le doute, dans le doute. Au moins comme ça, je sais de quel côté ça fera quel truc. Alors. Vas-y, vas-y.
ça, avec ici, well below 10%, c'est ça. C'est ça. Ici on a la rod. Set on pulse. Bon. 39%. Bon. Wild above. 10. On va faire 30 pour tester. Pour voir si ça marche ou pas. Pourquoi l'autre il est à moitié actif? Non, c'est bon. Et du coup tu passes par de la redstone externe? Genre comme ça? De toute façon la réacteur est éteint donc je sais pas si ça change grand chose mais... Donc là pour l'instant ça devrait marcher. Pour l'instant là on a les rods elles sont bien quoi. Et donc en théorie, quand on dépassera... Bah d'ailleurs de toute façon les rods sont déjà bien parce qu'en fait ça a augmenté là. Attends merde. J'ai pas 29. Bah ça mettra à 29 après, je pense. Non. Bah mise à 29 là. Ouais, faut que je refasse un pulse en fait pour que ça marche. Pour que ça me resette un peu le truc comme il faut. Par contre, du coup, attends, je vais juste passer la journée. Histoire que ça produise comme avec les panneaux solaires. Enfin, en théorie, de toute façon, si ça marche. Non, mais il fait jour, mais pourquoi j'ai peu d'énergie? Elle est où mon énergie? Pourquoi il se remplit pas l'autre con? Pourquoi il remplit pas l'autre con? Oh mon énergie. Si c'est full. J'ai pas. Attends, juste aller désactiver ça en dessous là dans le doute. Juste le temps de. Ça me consomme un peu moins d'énergie comme ça. Et donc là. Ok. Ouais, en fait, je pense c'est surtout le fait de passer par du on-off qui fout la merde. Hein. Et que le mieux c'est de passer par insertion, insertion. Et en plus, je crois que c'est ce qu'on a toujours fait au final. Hein. De passer par des rods qui te. Qui juste se mettent à fond et. Parce que là, du coup, en fait, ça te consomme quasiment plus rien. Forcément, ça produit plus rien. Et dès que ça va redescendre sous les 10%, ça va remonter quoi. En fait, on-off, ça fout trop la merde. Hein. Et là ça remonte. Nickel. On peut setup ça à 90% du coup puis on est bon. Ouais tu peux mettre en pourcent aussi ouais. Whale ball 4 Luendix. Voilà. De toute façon il a repulse juste avant que je setup donc là, il va redescendre à 10% puis après il va se réactiver. Ok. Bon bah comme ça au moins si jamais je produis plus que je ne consomme ça s'arrête. Ce qui est nickel. Je pourrais réparer mon trou, je me suis coincé comme un con du coup. Voilà. Petit macouille. Pourquoi là? Ouais, le in-out under IO c'est quelque chose, hein. C'est. Je sais pas, c'est un mystère. Hein. Si t'es en in-out sur des trucs, ça te fout le zbul. Alors qu'en soit, il a rien, nulle part où se vider le bordel, donc je sais pas. Résumé, il stream un réacteur fait en 30 minutes et 3 heures pour le auto-on-off. Ouais, bah c'est un peu le principe. Hein. Alors du coup, en vrai, si je mets full insert là-dedans, ça me foutrait moins le bordel dans les machines, vous pensez? Je fous full insert partout.
Je pense qu'il n'y a aucune raison que ça me change quelque chose, mais... Dans le doute. Bon, le Harvester il consomme pas, on s'en fout, mais... En fait, je vois pas, c'est pourquoi eux ils se remplissent pas à fond, quoi. Sachant que c'est full le stockage d'énergie, hein. C'est-à-dire que... Du coup, en fait, ça me bride de fou ma prod ici. Et je pense en fait il faudrait juste que je le relance. En fait c'est que là il n'y a pas assez d'énergie qui transite. Hein. Il faudrait juste que je relance un peu tous les générateurs en mettant un petit peu de toast. Mais... Et c'est un mystère ici à chaque fois. Hein. Puis un coup si que ça merde, un coup sans face. Hein. En fait même avec tous les réacteurs qui génèrent. Ouais, on est passé de 10 000 à 17 000 ici. Et pourtant il a nulle part où aller. En fait, l'énergie, vous voyez bien qu'elle a nulle part où aller en fait, tu vois, donc où est-ce qu'elle part? Sinon, je pense le must à faire ici, ça serait de refaire tout le réseau de câblage d'énergie et que mes machines soient alimentées sur un autre truc à côté, quoi. C'est-à-dire qu'en fait. En fait, ici il faudrait qu'il y ait mon transceiver idéalement, mais bon, il y a le drawer au-dessus donc ça me fait chier. Si je le fous derrière, c'est pas grave. Attends, quoi, deux secondes, stand-by mon pote. On va déconnecter. Toi tu vas te mettre là. Tu vas insert là dedans. Là tu prends full énergie, c'est bien. Arrête sur le même truc faire du in-out, je sais pas si c'est un bon bail mais là, tu vas extraire ici pour les machines. Ou... mettre comme ça dans le doute. Donc là les machines devraient t'alimenter à fond. Voilà. Et donc là je vais reproduire tout ce que je ne consomme. En fait l'énergie, en gros l'énergie des générateurs n'est plus reliée à l'énergie des machines quoi. Donc ce drawer, t'aimes pas qu'on s'assentit? Non, je le vois quoi parce qu'il y a rien d'autre qui peut aller dedans donc. C'est marrant qu'on s'assentit comme ça. Gliming. Bah go faire pareil en face en vrai dans le doute. Alors attends parce que du coup il y a un autre problème, c'est que ça ici c'est connecté. Parce qu'il y a d'autres machines qui sont branchées dessus donc. C'est pas un souci en vrai. Comment c'est chef? En fait je pense que ce setup il est même en mode out parce que de toute façon ici c'est full et je consomme rien quoi. En fait ce setup juste il bouge pas là.
Oui, ça oscille un petit peu, mais en fait, il consomme quasiment que dalle, quoi. Et de temps en temps, il y a juste des machines qui s'update un petit peu pour faire cuire un truc, quoi. Mais... ouais. Et même ici, ils sont en train de se remplir. Ok. Non, bah là, du coup, on a bien replacé en fait, la production d'énergie, donc. Donc là, maintenant, en théorie, on est bel et bien sur du. Ah, mais du coup, on est sur du beaucoup, mais bon. En théorie, on est quand même sur de la bonne prod. Hein. Ouais, le drawer, il est full de ping. Pour ça. Enfin, en fait, hein, c'est simple. Hein. Pour voir si ça marche, on va juste faire ça. Voilà. Les machines à remarche, tu vois. Elles sont bien démontées, donc y'a pas de soucis. Eh ben, il est tordu du cul en hein, tout ça. Hein. En fait, les setups ils sont identiques des deux côtés, ils sont symétriques des deux côtés, et t'en as un qui tourne et l'autre qui tourne pas. Les deux sont exactement pareils quoi. Mais ce qui m'arrange pas, c'est que du coup, c'est lui qui part en prio et qui se fait absorber, et pas tout le reste quoi. Donc en fait, lui limite, il faudrait presque qu'il soit solo pour alimenter le Nazadril tout seul. Mais... on en est où du Ylorium hein? Ouais, il descend un petit peu. Hein. Il a du mal à remonter. Hein. Il faudrait une deuxième Nazadril. Hein. Mais vu que maintenant on a beaucoup d'énergie, je peux faire tourner une deuxième Nazadril. Hein. On fera ça demain. Demain, on mettra une deuxième Nazadril en vrai. Ah bah, pas demain, putain, c'est pas avant dimanche que je refais du coup. Ouais, on va voir pour en mettre une maintenant. On va faire ça maintenant. En plus, la blinde de plastique. De toute façon, là, pour le moment, le réacteur tourne le temps de tout remplir, non? Tout remplir quoi? En fait, tout est plein. Et son stockage, là, il est vide. Hein. C'est pas automatisé les avrils déjà? Non. Là, il m'en faut une. Et les préchargeurs. Oh, j'ai plus assez de pink slime. Chier. Et il me manque aussi. Bon, ça, ça va. Ça va pas. C'est là qu'il me fallait, ouais. Et Glosson Illuminator, il m'en reste. 3. Bon, j'ai pas autocrafté les Glowstone Illuminator. C'est quoi, c'est d'autres Glowstone qu'il me faut? Non, le réacteur il est pas censé rester à moins de 10%. En dessous de 10% il se réactive. En fait il est actif globalement en fait, quoi qu'il arrive, quand il est en dessous de 10% il est en permanence actif. Quand il est en dessous de 90% il va être actif uniquement s'il a pas déjà reach 90%. Et s'il dépasse 90% il se stop. Jusqu'à retourner à 10%. Puis après il remonte jusqu'à 90, puis retourne jusqu'à 10%, puis remonte jusqu'à 90%, etc. Mais si en fait il produit moins que ce qu'il... enfin si je veux dire toute l'énergie qu'il produit est consommée, il va rester tout le temps à 0 tu vois. Merde, il m'en fallait qu'une ça. Là j'ai pas fait de la merde. On va voir. Ça a l'air bon. Non, non, il est pas éteint. Il est pas éteint. S'il était éteint, il serait. Je crois qu'il est pas éteint. Attends. Non, je crois qu'il est pas éteint. Tant que tu me fous le doute. Non, non, il est allumé. De toute façon, si c'est vert ici, c'est que ça allume. De toute façon, si ça c'est en chaud, c'est que ça allume aussi. Voilà.
Ouais, plus d'énergie là-dedans, mais on reste dans le générateur, ça devrait suffire à faire spawn quelques slimes. On l'espère. Ouais, ils m'ont manqué. Ouais, bah, je demandais pas autant. Hein. Je demandais clairement pas autant. Hop. J'ai l'impression d'aller moins vite qu'avant. Non, je sais pas. Hein. Peut-être parce que je suis mort, j'ai perdu ma folie. Je veux dire, ces capes dégueu là. Ils sont très bien, mes capes dégueu. J'ai encore besoin d'un setup pour vivre avec toi. Non, c'est good, Ravenheart. C'est gentil. On a trouvé la solution. Bah, si on peut vraiment appeler ça une solution, mais en tout cas ça marche. J'ai une envie de pisser. Enfin, je vais y reprendre à Nouma parce que tout à l'heure attendre la réponse. Voilà. Par contre, il va falloir agrandir la salle. Hein. Bon, je pense que je vais agrandir en longueur. Hein. Je pars là, hein. On va se mettre un autre setup. Hein. On va se faire un agrandissement comme ça. Pas besoin de trop agrandir non plus, ouais, ça suffit. Imaginons que je mette les play chargeurs là, ce qui veut dire que l'autre sera là, celui-ci sera ici, celui-ci sera comme ça. On sait que je me fais lazérifier l'anus là. Comment t'es chargé toi? Chargé par quelle magie en fait? Ah, t'as eu peur. Putain, il a fait des dégâts, y'a rien! J'aurais peut-être dû tout setup après du coup. Ah, mais du coup, il me refaut un deuxième Nordchest. On va tirer un cap, je crois. Bon, par contre, j'aimerais bien ne pas mourir dans ma base, c'est un peu con quoi. Elle est extract. Certes. Et maintenant, bah, bonne chance, mon pote, pour aller jusqu'à la bedrock. Et 4 fois plus pour éviter le pétrole. Bon, petite tiquette. Hein. Par contre, je vais me prendre le faisceau lumineux sur la gueule, là, non? Je crois pas qu'il fasse des dégâts celui-là. On en doute. Des dégâts, toi? Ding. Oui. Oui, j'ai compris. On va tout mettre après. J'ai pas d'eau. Un lac de lave en dessous, je pète mon crâne. Hein. Let's go! La bedrock, c'est pas spawnable, non? D'ailleurs, j'avais une question. Un faisceau de beacon, ça passe à travers la Soul Sand ou pas?
sais pas si ça passe à travers la sous scène un faisceau de beacon. Hein. Je vais tirer ça comme câble là-dedans. C'est ça là. Venir faire tout le tour. Parce qu'en fait, dans mes champs du coup sur Sian Sky, quand on mettra les beacons, je suis idéalement, il faudra les mettre peut-être un peu genre centré par rapport au champ. Comme ça, t'as le speed et tout un peu partout quoi. Et autant passer dans les slabs où il y a la flotte, c'est pas problématique. Autant passer là où il y a la sous scène, ça peut être plus chiant quoi. Ça passe pas à travers la sous scène le beacon hein. En 1.19, non, même les dalles ça bloque. Ah ouais? T'es sûr de toi? À partir du moment où c'est une surface complète, ouais. Non, j'ai cru voir une île sur laquelle ça passait à travers. Je sais pas pourquoi il me fait charboucher avec les trucs dégueulasses, comme ça, mais. Par contre, il y a un truc que je capiche pas. Ah, si, ok, maintenant je capiche. Je capiche mieux. Non, je me disais, c'est bizarre que ça arrive à alimenter les deux lasadrilles là. Mais oui, tout s'explique. Hein. Ah oui, c'est clair là. Il m'en faut des focus jaunes, je vais en faire autant que je peux. Bon, si je peux en faire 6, j'en fais 6, c'est un peu le coup, hein, pas me faire chier. Hein. Il me faut du hérium en. Hérium. Ah, du hérium. Ou plein. En fait, les problèmes, c'est que ça, je sais toujours pas comment ça marche. Ça fait du 25 000 ans in ou out. En fait, la dernière fois, on avait vu qu'en gros, ça met 25K, mais ça fait genre 12 500 en in et 12 500 en out, en fait. Et en même temps, c'était pour clear. Hein. On peut coller différents types de capacitors, côte à côte. J'ai pas envie de remettre un 25 millions, ça fait beaucoup. 50 000 à la fin. En même temps, si là, ça se passe tranquillou... Parce que du coup, comme dit, en fait, j'ai 10 générateurs. J'ai 20 générateurs qui font du 18 000. Donc on a du 36 000 RF, en théorie. Ah non, attends. Qu'est-ce que je dis, moi? Oui, si, c'est ça. Après, tu retiens un peu la consommation des machines, tout ça. On va dire qu'on a eu 30 000 RF pratique. Grosso merdo. Plus le réacteur à 25K. Ça nous fait du 55 000, quoi qu'il arrive. Et la journée, on a 20 000 en plus. Bah, je voulais pas y claquer du 50 000 là-bas, quoi. Après, tu me diras, en fait, je suis con, je suis bridé par les câbles. Hein. Il arrive. En fait, c'est les câbles le problème. Là. J'ai cap cryo. Oui, mais alors j'ai pas balancé non plus une infinité d'énergie là-dedans. Ouais, si je mets 40k, ça va en vrai. Oui. En fait, il faut juste une deuxième sortie du coup. Là, normalement, je consomme 40 000. Ouais, d'accord. Théorie. En fait, j'ai deux sorties. En vrai, ça monte vite. Hein. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'on soit. Ouais, quoi que je sais pas. En vrai. Sinon, je mets un transceiver. En vrai, attends, en vrai, j'aimerais faire ça différemment. C'est pas grave. Mais pas con. On va se foutre ça là, hein.
Évidemment, je fais un truc pair, donc c'est dégueulasse. Bon, pas là. Ouais, 20 000, c'est en chien. Incroyable, ça, quand même. Après, en fait, le truc, c'est que le capacité. Ben non, ça change rien. Clair. Trop clair, cette histoire. Bon, ça va quand même plus vite qu'avant, mais c'est quand même pas clair. Bon, je vais laisser tout le bordel comme ça. Parce que là, est-ce que si je peux au niveau du mur, c'est la merde? Non, on est fine! Parce qu'en fait. Derrière. Ça dit rien. De toute façon, ici on peut pas être limité. Dans le sens où c'est collé où. Là en transit, il y a pas écrit. Et c'est fou. Dans le transceiver, normalement il a pas de limite. Normalement. Jusque là, je pense que mes générateurs. Après, faut que j'essaie gaffe parce qu'en fait, mes générateurs, bon, eux ils sont vides. Et eux, il y en a encore qui sont pleins. Est-ce qu'il y en a qui se vident dans le tas? Ils sont pleins parce que ça vide dans un premier. Ou est-ce que c'est parce que dehors il fait jour et que du coup, niveau énergie, on est complètement overkill? Peut-être la deuxième option, je pense. Ouais, tu vois, là, ça commence à vider tranquillement dans chaque générateur en fait. Faire gaffe à ça en fait. En fait, parfois, t'as l'impression que t'es bien. Et souvent, vu que chaque générateur a un petit stock d'énergie, bah, tu l'as un peu dans le cul. Surtout qu'il fait nuit en plus là. Mais d'un côté, si la nuit ça tient bien, tant mieux. Hein. Si la nuit ça met du temps avant de tout vider, pas se plaindre. Hein. Mais la journée après, on a quand même 5 générateurs, enfin on a 5 solar panels en plus de 20, de 5, enfin, de 4000 chacun, donc. Ouais. Après là, c'est le début de la journée, donc ça produit pas non plus encore à fond les panneaux solaires, mais. Enfin. Bon, regardez, là, Yellorium, on est à 56 700. Faudra regarder, quoi. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Mon câblage ici, il commence à en chier. On va faire un petit upgrade de deux, quoi. Voilà. Parfait. Bon ouais, moi je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui les amis. Demain, live Season Sky. Et puis bah dimanche, on va voir qu'est-ce que ça donnera tout ça quoi. Dimanche, après, on va se connecter, on sera à zéro d'énergie, il n'y aura plus rien qui marchera et puis plus let's go quoi en fait. Hein. Mais ouais. Juste prendre un truc là, mes têtes de Wither. Hop. Je vais aller les mettre là-haut. Ça me fait la Nether Star. Hein. Dimanche, il y a un monde où on commence à bidouiller, peut-être pour voir pour le stockage de Draconic Evolution. En fait, surtout, il faudrait que je vois où je le mets du coup. Mais je pense que je le mettrai après la salle des réacteurs. Merde, de ce côté. Vu que ma salle des réacteurs là-bas, je voulais faire une grande passerelle en plein milieu. On peut arriver au bout avec le stockage d'énergie, quoi. Ou alors, en dessous d'ici, une autre salle, sous mon applied, et il y a mon stockage d'énergie. Là, le bout de la salle, il est à quoi? On est en couche 30. Après, ça prend de la place quand même, le stockage d'énergie. Donc, c'est un peu chiant. Quoi. J'ai perdu ma tablette Draconic Evolution, non? Ou je l'ai rangée? Et Tsugiri, comment ça va? Level 13 mineur? Oh, tu m'as quasiment dépassé. Ça prend 17 blocs de long. Hein. Et en hauteur, ça prend 1, 2, 3, 4. Deux, trois, quatre, sept.
6 blocs de profondeur là. Ce qui fait que si je fais ma salle en couche 15, je peux encore descendre facilement de 10 blocs en dessous. Enfin, du coup, je serais pas en couche 15, je serais peut-être toujours plus le sol vers la couche 10, un truc comme ça, je pense. Voire 8. Grande salle noire, immense, avec le truc en plein milieu quoi. Le problème, c'est que. Ça serait pas vraiment santé quoi. Tu descends et tu l'as genre en face de toi, mais il serait pas au centre du coup de ma base quoi. Forcément. Et si je descends que t'as la gueule dans la boule, c'est un peu compliqué, je pense. Donc en vrai, c'est jouable, je pense. Parce que là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 7 blocs du centre. Tu fais combien la taille max? Bloc la taille max. Pourquoi qu'il soit collé si hein. Ouais non ouais. Ouais si j'ai mon élévateur là ça passe. Mon élévateur est là en vrai c'est. Et le problème c'est que t'arrives dans le faisceau quoi. Et ça poserait pas de soucis je pense. Sachant qu'il serait en hauteur le truc en fait. La boule sera en hauteur, ce serait pas que au sol. Le faisceau sera au-dessus de moi. Ouais on peut faire ça en vrai. Et je peux essayer quand même de centrer du coup par rapport à ça quoi. Y'a pas la place pour mettre au-dessus mon applied. Là là jamais de la vie hein. Là je suis dans le plafond hein. Ah en vrai. En fait mon appel après il sera fermé quoi. Ouais, j'ai combien de blocs en hauteur là. Très bizarre je pense quand même dans la salle ici. Ça ferait bizarre. Non en vrai non. Parce que en fait il faut aussi quand même des ah je sais pas attends. J'ai 12 blocs de haut. Ah, déjà, un camp hauteur c'est mort en fait. Non, ça sera trop craignos à faire, je pense. C'est trop bizarre. En fait, surtout que ça prend. En fait, là, c'est 12 blocs, le point culminant de mon truc. Donc, sachant que c'est un dôme, là, tu as déjà un bloc en moins, là, t'as encore un bloc en moins. Donc, non, on fera ça une salle en dessous. Une salle en dessous. Perfect. Hein. Ah, vas-y, j'ai vendu. Hein. Bon, en tout cas, ça tombe bien, on a quand même un réacteur qui tourne, donc ça c'est cool. Ça va coûter cher, mais au moins ça tourne. Ah, ça descend pour l'instant. Hein. Ça descend. Après, le problème, il faut que tu jaunes. Et bon, déjà, c'est rare d'avoir des yellowites. Hein. Ça, c'est le premier problème. Hein. Après, je crois que t'es en version Nether, non? Ah, t'es même pas en version Nether en fait. Ah ouais non t'as 22%, enfin c'est 0,22% de chance d'avoir ça quoi. Et en fait tout le reste c'est que du cheese, de la glowstone etc qui vont arriver quoi. Donc il y a le yellowite en elle-même, ça va être complexe hein, de l'avoir. Ouais. Après je peux toujours baisser la conso de mon réacteur. Ça baissera un peu sa prod. Au lieu d'être à 25 000 je peux mettre à 20 000 déjà hein. Ouais hein. Ouais, faudrait que je descende à combien pour être à 20 000. Pour être à 20 000, mettre à 49%. Et je consommerai deux fois moins de lingots par minute. Ah même pas deux fois moins ouais. Pas changé grand chose en vrai. Ah, ça consomme quand même vachement moins en fait. On était à combien là? Je sais comment on était.
On perd 5000 RF, mais on consomme quand même beaucoup moins de lingots quoi. Je crois qu'on était à 2.3, un truc comme ça. Ouais. Depuis le début, on a consommé 300 lingots de. On a 56 186. A plus du cul, cette histoire! A plus du cul, cette histoire! Après, c'est vrai que j'aurais de l'aigle au moins, mais. Non. Sinon, Yelorium, t'as d'autres moyens d'en avoir ou pas? Hormis. Parce qu'après, actuellement, je le traite comment le minerai de Yelorium? J'ai pas un moyen plus efficace de le traiter. Non, c'est Sagmil, hein. Bah, Sagmil, c'est le mieux en plus. Ah, sinon, faudrait que j'ai une prod de flint en permanence. Bah, tu me diras, j'ai du flint, mais sinon, faudrait que je rentre du flint en permanence là-dedans. Quoi. Le flint, je le produis de là-bas, je crois, non? Alors, je produis de là. Bon. Non, même pas. Non, c'est le gravier que je stocke directement, mais le gravier, c'est vrai que genre, je le redéglingue pas quoi. Et j'ai quand même la blinde de flint quoi. Surtout qu'en vrai, c'est peut-être Takori qui m'en donne autant. Parce que je pense que si t'entends, bah là par exemple, oui, il y a eu un Iorium qui est arrivé. C'est vrai que si pour le coup je peux le Sagmil avec du flint, ça me prend un petit bonus en plus quoi. Mais du coup. C'est un cover, mais j'en smart. Et derrière, il me faut un export boss. Sans upgrade, ça devrait suffire d'avoir d'upgrade. Hein. À la vitesse à laquelle ça va exporter, pas besoin d'un truc chiadé non plus quoi. Enfin, c'est plutôt la vitesse à laquelle ça va être consommé, mais. Plutôt ça. Voilà. Puis là, du coup, j'ai mon petit flint qui vient alimenter mes machines. Et en fait, ça fait qu'en gros, sur le main output déjà j'ai plus de trucs, et le bonus j'ai encore plus de chances du coup d'avoir un deuxième poupoute quoi. Donc ça me fait quand même un petit bonus en plus sur la yellowite qui peut arriver dedans quoi. Ouais, bon on verra si ça baisse ou pas, hein, de toute façon. Bon, le temps que ça me liquide les 56 000, de toute façon quoi qu'il arrive j'ai le temps, hein, mon réacteur il va tourner. Je pense que Volt Hunter sera, pourra commencer avant que j'ai plus de yellorium hein, quoi qu'il arrive. Mais, mais histoire de quand même de un minimum optimiser le truc quoi. Voilà. Bon, bah sur ce les amis, moi je vais vous laisser. Je fais des gros bisous. Je vous dis rendez-vous. Rendez-vous quand? Bah demain. Demain. Et voilà. Demain, petit Season Sky là, début d'après-midi. Dimanche, je m'en continue tout ça. Et peut-être voir pour commencer à préparer un petit peu le bordel de Draconic Evolution. Ça prépare un peu la ressource qu'il nous faut tout ça. Et pouvoir stocker toute la blingue d'énergie. Pour être tranquille. Hein. Bon, les capacitants c'est bien sympa, mais fuck it. Voilà. Allez, des gros bisous tout le monde, partez-vous bien.